Il nous faut un plan là, puisqu'on avait tout misé sur Roland, on a notre sponsor qui va bientôt nous lâcher, on a 9000 balles de thunes, on a quand même de quoi traîner un peu là, maintenant. Junior, Junior, la salle du temps, mets-toi en Junior. Parce que là, il y a quoi comme prochain gros tournoi? Il y a Wimbledon. Il y a Wimbledon, mais c'est dans 4 semaines. Après, on peut s'inscrire pour Wimbledon. En ayant un... et en attendant, traîne un peu. En sachant que pour Wimbledon, on sera pas prêt. Et le vrai objectif, on le fixe au prochain Grand Chelem. Oh là, il y a Master Series, Cincinnati et Montréal qui est pas mal. Parce qu'en vrai, il faut que je traîne, quoi. Et on se fait l'US Open. Semaine 35. Moi, je me fais que les... En fait, si tu fais plein de tournois, t'as de l'argent, mais tu peux pas... Ne fais pas la saison sur gazon. Sinon, je fais des TET, hein. Ce qui peut être une option. Bon, on peut essayer de se faire un peu d'argent, quoi. Putain. Putain, c'est dur. T'es obligé. Tu vas être un... De faire des tests, tu vas être un joueur de tennis. Là, on a ici, là. On a Allemagne ou Royaume-Uni, mais c'est du... C'est de l'herbe, quoi. On va s'inscrire à lui. Trop tard pour t'inscrire cette semaine. Oh oui, merde. Bah, ça commence... En fait, ça commence là, je suis trop con. Je peux pas avant. Je peux juste commencer ici, quoi. Dès qu'on fasse Stuttgart. Je sais pas pourquoi, États-Unis là. Ils ont l'air de dire que je peux m'inscrire facilement, or que sinon j'ai pas. Je peux tenter sur gazon, hein. Mais par contre, sur gazon, il me faut... J'ai plus envie de jouer sur terre battue. Père Manu avait dit, il faut 20% de précide plus que la puissance. Ah ouais, mais dans ce cas, c'est infernal. Je peux jamais être à 100, quoi. J'avais gagné, lui. C'est vrai que là, il y a Hambourg à 1 million de dollars, il ferait plaise. Bah, est-ce que je me ferais pas Stuttgart, en Allemagne, puis Hambourg, ici. Comme ça, on s'en enchaîne deux. Un TET 250 et un 500. En Allemagne, ce qui nous coûte moins cher. Et ensuite, on prépare genre un gros truc, quoi. Genre l'US Open. Ça me semble bien. Et c'est quoi? C'est rapide, du coup. Merci Pierrot pour le 18e mois. C'est rapide, il faut que je bosse service volé. Hein. Fais Wimbledon. Ah mais Wimbledon, on va se faire... Après, on fait des sous, quoi. C'est que dans 6 semaines. Ouais, on va voir, on fait ça. On fait pas Wimbledon. Choix osé. On se fait pas Wimbledon, ici. Semaine 28. Donc dans 5 semaines... En vrai, faut que je diminue le lift. Hein. Et t'as besoin de sous, c'est vrai. Oh merde, j'ai cliqué sur lift. Quel chien, j'ai augmenté mon lift. Oh l'enfer. Oh le coach. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai beaucoup de points d'XP. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, les points d'XP, je sais plus quoi en foutre, quoi. 15 heures de placement... 15 heures de tactique, il m'en reste 28, tu vois. Alpha Cruiser, merci pour le 4e mois. 74e. 74e, les potes. Bon, allez. L'objectif... C'est... En vrai, c'est l'Open d'Australie. Ouais, c'est 3e semaine, hein. D'Australie, ce genre de choses, quoi. C'est Brinkpole. Là, c'est une année d'entraînement, c'est une année de repositionnement, j'ai envie de dire. 14 heures et 14 heures de focus. Voilà, boum.
14 heures de fond de cours. Semaine suivante. En raison de votre classement, vous devez participer au tournoi de UK Slam en simple. Ou ne jouer aucun tournoi. Ah, il me le propose quand même. Ah, il me le propose. J'y vais ou pas? Fais plus de tournois. Ouais, mais après, j'ai que des points. J'ai dit oui. Bon, bah, semaine prochaine. Oh, on va se faire claquer encore. Ça va être terrible. 20 heures de service. Oh le con. J'aurais dû full me reposer. J'aurais dû full me reposer. J'suis trop con. J'suis trop con. Bon, de toute façon, on le fait pour les sous. Hein. De toute façon, je vais sûrement me blesser, donc... De toute façon, il est cramé, là. Oh, il est cramé, là, hein, je vous le dis. Hein. Alors moi, je l'envoie, mais... Oh, je joue contre Steve. Steve, 100e mondial. Ah, il va me claquer, Steve. J'ai 0% en surface rapide. Je pense que... Oh, on n'a jamais joué sur gazon. Oh, c'est propre, quand même. 216. Oh, j'ai grave un jeu de gazon. Je sens que j'ai un jeu de gazon. J'ai un jeu de gazon. On est pas censé être en blanc d'ailleurs. Oh, je suis en full jeu de gazon. Ah non, mais j'ai un vrai jeu de gazon avec la balle qui. Ah, lui aussi apparemment. Allez, sur le T, tiens. Allez, 2-1. Ah ouais, c'est que des jeux de service quoi. Voilà, c'est que des jeux de service. On va reculer un peu sur le retour hein, pour les prochaines. Voilà, 210 km/h. Que de l'ace. Game player one. C'est que de... C'est... Quel enfer. Go passer. Bon, on se fait que les points décisifs. On va se mettre les breaks, si vous voulez. On se met les breaks, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Pas de balle de break, hein. Ça va être chaud. Stop, stop. Oh non. Mais ça allait trop vite. Oh, j'ai envie de mourir. Il y a 5-3. Oh, je vais perdre le premier set. On pensait tellement se faire laver que... Oh, 5-4. Allez, mets pas les deux prochains, s'il te plaît. Oh, peut-être. Allez. Oh, ça passe. Allez. Je lift trop. Faut que j'enlève le lift. Hein. Le lift, c'est de la merde dans le jeu, j'ai l'impression. En fait, tu leur donnes juste des balles hautes. Et t'attaques jamais. Oh là là, on perd. Perdu le premier jeu 7-6. Monté au filet 67%. 16 ace contre 14. Bah on est dans la... on est dans le truc hein. Pas beaucoup de fautes directes. Pas grand chose à dire honnêtement. Ah lui c'est serein quand même. Oh deux balles de break. Allez, deux balles de break pour moi là. Plus qu'une. Putain mais c'est infernal aussi. C'est pas un plaisir là hein. Mathéo, merci pour le 5e mois. Oh la mortie tentée mais... Oh vas-y mec, c'est infernal, il me met trop d'ace. Allez, deux balles de break encore. Voilà. Ça c'est breaké ça. Game player one. Allez, 3 balles de 7. On est dedans hein, on va peut-être passer les tours les gars. C'est notre truc là. Enlève le mode pro et remet normal. Oh ça sort, putain non. Oh pas la peur de gagner, s'il te plaît. Il stresse en face, pas la peur de gagner, pas maintenant, fais pas chier gros. C'est tout le temps ça sinon. Oui. 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 Non. Let's go. Let's go, my boys. 6-7, 7-5. Ouh. Des belles montées au filet hein, quand même. Hein. Je vais m'en faire un peu plus. Premier service, lui, est très très solide, moi un peu moins quand même. Ouais, je vais mettre 15% de montée au filet. Et je vais mettre juste 2 balles de break. Allez, on est reparti. Une balle de break. Si, 2 balles de break. Allez, c'est pour nous. Je trive le mental. Merci, Max. Allez, c'est le mental, là. Oh, ça sort, ça sort. Première balle de break sauvée. C'est pas un ace sur la deuxième, c'est que du bon. C'est juste une claque. Ah, oh, du coup,
Rien derrière. Allez, encore 2 balles de break. Ah, quand même, hein, on le bosse, hein, niveau jeu. Hein. Il a qu'un service, lui. Lui, c'est vraiment la brute, quoi. C'est le Yeti, là, qu'on a sorti des montagnes. On lui a dit, mon fils, t'as un vrai bras. Mais attends, je vais full entraîner voler. Et c'est breaké, hein. C'est breaké, hein. Cher pour le 7, là. Allez, pas de break, hein. Ah, une balle. Une balle de 7. Let's go! 6-7, 7-5, 7-5. 12 sur 16, magnifique. Ah, on se remet à la même. Tentative de balle. Oh, au premier, il peut me breaker, là. Ouh, l'ace qui fait mal. Oh, 2 balles de break, là. J'ai 2 balles de break à sauver. Allez, la première est sauvée, déjà. Deuxième, elle est bien claquée. Je suis incroyable. Si j'enlève mon lift, je fais juste plus de terre battue. Magnifique. Magnifique, cette save. Allez, c'est bon. 2 balles de break maintenant à mon tour. Première sauvée par un ace. Son 50e ace! Allez, encore une balle de break. Si je la chope, celle-là, d'ailleurs, je tiens pour le match. Ah, mais lui, il a vraiment qu'un service, hein, ce bâtard. Allez, let's go, ça, let's go, mon pote. Ça sert pour le match, maintenant. 3 balles de match. La première sera la bonne. 6-7, 7-5, 7-5, 6-4. Sur un retour de blessure, Roger Pablito qui nous montre un très gros niveau. 42 ace, pardon, contre 52. C'est très, très solide dans l'ensemble. C'est très, très solide des deuxièmes tours de Wimbledon. Et... je dis pas que c'est le même que... ah non. 1m75. C'est un défenseur. Oh là, c'est pas un jeu de gazon, ça. Hein. C'est pas un jeu de gazon. Hein. Pas de volée. Très peu de fond de cours. Ah, 6 heures de repos. De toute façon, là, on est là pour la thune, hein, maintenant, on le sait. On le sait, on le sait. Mais quand même pas mal sur la surface rapide. C'est Zumur. Allez, tiens, bienvenue, Zumur. J'espère que tu vas bien. On va se mettre les balles de break. Comme ça, ça nous permet de voir un peu, parce que sinon, c'est que du jeu de... j'espère pas en voir trop dès le début, là. Allez, c'est pour nous, la première. La première balle de break, elle est pour nous. Allez, c'est le moment, mon pote. C'est ton tournoi. C'est ton tournoi! J'ai été blessé la dernière fois. Hâte de voir ce que ça va donner, mais si tu prépares pour le dimanche soir, force à toi, mon bro. Ce sera pas forcément le dimanche, hein. On n'est pas sûr. Mais merci, Auréa, en tout cas. C'est bon, ça. Moi, j'ai joué 5 années de jeu en junior. Après que mon perso est devenu méga chaud, je suis passé en pro. Je pense que tu devrais repasser en junior. Ah ouais. Quand même, 5 années en plus, c'est beaucoup. Hein. En fait, sinon, tout est plus long, quoi. Oh, je suis breaké, là. Ouf. L'ace qui met bien. Oh, le service gagnant derrière, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et derrière, je vais le breaker à nouveau. Oh, Zumur! Oh, je te possède, Zumur! Mais j'ai vraiment un jeu de gazon. Je vais lui claquer, hein. Je vais lui claquer sa vilaine tête, là. Son vilain faciès, là. Je vais train qu'à la volée, j'ai envie de faire ça. Du service volé, moi, c'est comme ça que j'ai voulu jouer. 6-1, mec, 6-1! Allez, ça donne quoi dans le deuxième set? C'est chaud, ça a été chaud, là. Failli me faire breaker. Allez, c'est... encore une balle de break, heureusement. C'est l'ace qui passe. Le deuxième qui suivra pas. Alors c'est moins marrant à regarder, hein, mais... c'est plus express, quoi, hein. Ouais, c'est bon, ça. Ah, il s'accroche quand même, le bâtard, hein. Ah, 2 balles de break, là. 2 balles de break, derrière, je peux servir pour le 7. Oh, bâtard. C'est faux, ça. Allez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh non, 3 balles de break. La première qui va peut-être être défendue. Oh non, mais non, mais non, l'ouverture de raquette. Game player 2. Allez, 6-0 là, dans ce tie-break. J'aurais dû laisser, putain, mais merde. Bon, 7-0 on lui a mis. Hein. On lui a mis 7-0.
Non, parce que sinon, en fait, on progresse, on avance jamais si on se mate tous les... Moi, j'aime trop le tennis. Enfin, là, ça me fait kiffer de mater et tout, mais... Oh, c'est beau quand même. Mais faut qu'on puisse avancer un peu, sinon... Enfin, les points de 40-0, en vrai... Oh, on va être breaké, là. On va être en situation de break, là. 7-6, oui, non, mais 7-0 dans le tie-break. Je me fais pas trop breaker, hein, niveau mental, je suis fier, là. Il craque en plus derrière. C'est parfait, ça. Qu'est-ce que ça donne? Allez, ça simule. Les points serrés. Oh, putain, par contre, c'est chiant, faut que je coupe plus tôt. Allez, 3 partout. 3 partout dans le tie-break, potentiellement le dernier si je le remporte. On va regarder tous les points, là. Magnifique, magnifique. Allez, 3-4, 4-3. Zoukin, merci pour le prime. Oui, c'est bon, ça. Une balle qui s'écrase bien, là, sur le gazon, en plus. Ça sort. Ça sort, c'était pas de... ça sort pas de beaucoup, hein. Oui, joli. Joli, mon pote. Oh, les services volés, je vais en mettre. Oh, non! Ah ouais, là, forcément, on est en danger derrière, mec, hein. Quoi? Balle de match? Oh, c'est gagné! Coche la case, démarrage du tie-break. Oh, y'a ça? Oh, j'avais loupé ça. Troisième tour, en tout cas! Troisième tour qu'on va jouer contre... Allez vite, hein, cette fin. J'ai pas coché la bonne case, je pense. Dominique Vourbro, ça doit être un vrai joueur, il est 16e mondial. Hein. Non, mais en vrai, on a perf, là, déjà. Hein. Contre le 19e, c'est vachement bien. Hein. On t'avait encore dit pardon, excusez-moi, les gars. Troisième tour, on commence à perf, là. Hein. À faire des sous et tout. Hein. Y a Tim, là. Hey, Tim, il se tape des matchs marathon. Il a fait 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 12-10. Ah bah là, il y a la fin en mode... Oh, c'est épique, par contre, si tu fais un 5e set. C'est qui, en vrai? C'est un vrai gars, en vrai, ça? Et ensuite, il a fait 2-6, 6-7 à nouveau. Puis 7-6, 6-4, 6-4. Oh, l'enfer. Baisse ton lift. Ouais, mais le souci, c'est que je peux pas, là. J'ai que 7 heures d'entraînement, je préfère me reposer. Mais le lift, on va le baisser. Hein. Là, l'idée, c'est baisser le lift, améliorer retour contre... Service, fond de co, volé. Team, oui. Non, mais Team, je sais qu'il existe. Je vous parlais de l'autre, là. Oh, quand même, j'ai une base. Je vous parlais de Dominique Vourbro, là. Orfbo. Non, ça fait longtemps que j'ai pas trop suivi le tennis, mais quand même. Il fait quoi, lui, un 84? Fidirir et Nodol sont à la retraite. C'est vrai, ça. Ils ont dû passer à la retraite. On va regarder après, mais je crois, ouais. Bonjour, bienvenue. Allez, 3 balles de jeu. On va voir un peu... Premier set, on va voir un peu la tendance, tu vois. En mode, regarder les balles de jeu, voir comment ça joue, parce que j'ai envie de voir un peu comment ça joue quand même. Tu vois, là, c'est bien, déjà 30-40. Attends, mais je suis monstrueux à Wimbledon. Attends, mais c'est notre truc, hein. Je vais cocher, ouais. Démarrage du tie-break. Mais attends, mais c'est pour moi, là. Oh, je pensais qu'elle sortait. Deuxième ace de son côté. Mais il est en danger, hein. Il est en danger, là. Dommage, le retour est pas bon. Balle de jeu, finalement, et l'ace qui va passer. Je vais me mettre un petit recul sur leur tour. 4%. Allez, le service est bon. Magnifique, ce revers, magnifique. Allez, 3 balles de... Mais je mets des parpaings. Je suis 75e mondial, là. Oh là là. Là, si je baisse mon lift, je suis premier mondial. Hein. Deux balles de jeu. Ça va être un match serré. Je vous le dis, ça va être un match serré, là. Allez. J'aime bien son revers. Il a un revers propre. Il a pas eu. Allez, mon pote, hein. On la défend, celle-là. La deuxième balle, c'est pour nous. On rentre dedans. Boum. Il se fait peur. Il joue avec les lignes. Attention quand même, à ces balles hautes là, ça sort. Non, c'est sur la ligne, c'est bon ça. À droite. Oh. Fracasse. Oh, putain. Ah, trop de lift pour vraiment... La balle, on l'a fait remonter, or qu'on veut qu'elle s'écrase. C'est tout le souci, on veut qu'elle s'écrase, nous, la balle. On l'a fait remonter. Et une balle de break. Allez, c'est le moment. Trop lisse, merci pour le deuxième mois. Oh, ça sort, c'est dommage. Ah, y en a pas de nouvelles. Pas de nouvelle balle de break. Ah, si, la balle de 7. La balle de break est sur la balle de 7, allez! Pour le troisième tour de Wimbledon.
Ah, ça sort! On n'est pas concentré sur les balles de break, c'est les moments, là. Faut répondre présent, putain. Et ouais, derrière, on se fait claquer. Advantage service. Oh. Windag, merci pour le 12e mois. On est au 3e tour, là, de Wimbledon, hein, si vous nous regardez. Enfin, nous rejoignez, plutôt. Oui, oui, Axel, à droite. Ah, ça aurait pu être mieux. Mais ça passe, ça passe. Allez, une nouvelle balle de 7. Nouvelle balle de 7, on joue contre le 16e mondial. Ah non, pas balle de 7, pardon. On a juste défendu la balle de jeu. Oh putain. Oh, c'est chaud, on sent que c'est chaud là. Le lift m'handicap, mais il me permet des choses quand même. Nouvelle balle de 7. Si... Oh, l'enfer. Si vous nous rejoignez. Non, parce que j'ai vu 600 personnes qui sont arrivées. Donc... Oh bon? Oh non. Ah oh ouais, donc on se fait claquer là. Donc t'as décidé de te vénère juste sur ce moment là, toi. Ça sort. Ça va jouer au tie-break, les gars. Ça va jouer au tie-break. C'est quoi le jeu? C'est Tennis Elbow. Allez, premier point, il est pour nous. 7 points gagnants. Oh, l'ace, il fait mal, putain, il me les sort tous ici, quoi. Allez, deuxième service. On avance dans le cours. Ouais, le shop est pas mauvais, là. Oui, le shop est pas mauvais, 2-1. Deux services pour nous. Je veux un ace, hein. C'est ça, le premier ace, là, direct, il passe, 3-1. Allez, on se détache. Allez, le deuxième point, il faut aussi le mettre. Voilà, 4-1. Et on va aller loin dans ce tournoi. Dommage, dommage, dommage. Sur un 186 en plus. Ouh. Oh, il chatte, mais c'est pas grave. 4-3, on est toujours devant, on a deux services à gérer. Allez, l'ace. 194, je pensais qu'il aurait pu l'avoir. Super. 3 balles de 7. On a bien bossé les services quand même, hein, dans l'ensemble. On ressent mieux le service sur... Attendez. Sur gazon que sur terre, et c'est bon. 7-6. Comment ça s'est passé, Roland Garros? On a été blessé, c'était pas facile. 16 ace, honnêtement, 85% de premier service. Hein. Rien à dire, quoi. Allez, on va se mettre les balles de break pour avancer un peu dans le deuxième set. Allez, déjà, une balle de break ici. Pour nous à négocier. Oh, ça sort, c'est dommage. Une deuxième, non, il n'y aura pas de deuxième. Et là, il y en a trois. Il y a un peu de stress en face qui commence à monter, on le voit à la jauge. Ça reste dedans. Et pas très bon à la volée de base. Eh ouais, on n'est pas très bon à la volée de base. Mais il a loupé son service, là, 15-40. Ah, faut le bouger, hein. Lui, on le bouge, hein. Lui, on le bouge, ça dégage, ça. Allez, encore une balle de break, là, c'est la fin, mon pote, hein. C'est le craquage, le stress est présent. Tu rentres chez toi, mon pote. Et là, on sert pour le 6-2. J'ai juste envie de baisser le lift, hein. J'ai qu'une envie, c'est baisser le... Oh, dommage, baisser le lift et jouer mieux à la volée. Pense à ramasser du pain, bise, Tisma. J'y pense fort. Merci, en tout cas. Baisse de 1 le recul. Non mais là on peut être un... Oh putain. Bon allez, dernier set. Enfin dernier set, troisième. Attention, hein, pas trop de... Voilà, c'est bien. 3 balles de break, là c'est bien. Pas trop de prise de confiance quand même, hein, parce qu'on connaît, ça nous a détruit à des moments. On a fait 1 sur 7 en hein, montée au filet là. Ah ouais, comme quoi tu vois. Après là, lui c'est plus un joueur de... Tu sais, ça joue plus... C'est pas un énorme serveur en face. Il claque des aces et tout, mais ça joue un peu... ça joue quand même, quoi, tu vois. Or, sur Terre, ça peut vite être un échange de services, service volé. Et ça passe, mon pote. Le break qui est passé. Ah, par contre, là, le débreak peut mettre mal, 15-40. Deuxième service. Ouh, la première balle de débreak qui est sauvée. Oh, c'est solide, ça. Là, on l'a gagné. Et là, on va jouer. On sert pour le match. 3-7 à 0. La volée sur la ligne. 7-6, 6-2, 6-4. Roger Pablito. 17 sur 36 en montée au filet. On a un vrai souci de montée au filet. Hein. C'est ça qu'on va devoir progresser. Par contre, très, très content. 81% de premier service. 33 aces claqués. 181 km/h. Et on est en 8e de finale de Grand Chelem. Eh. Oh, je joue contre Tim. Oh non. Il y a Corina Bisto qui est premier, mais c'est qui lui? 29 ans, Corina Bisto. Qui est le deuxième? Demetrav. Ah ouais, Nadal et tout, on est parti. Hein. Bon, Tim, il va sûrement nous claquer. Hein. Mais 8e de finale déjà.
Karina Busta. C'est un vrai gars connu? Pablo Carina. Ah, c'est un vrai gars connu? Putain, je connais tellement plus les joueurs, moi. Bon, allez, 7 heures de repos. La tête haute. Quoi qu'il arrive, déjà 8ème de finale sur un tournoi qu'on voulait pas faire. C'est très très bien. Alors, un team qui en tactique, placement et tout est bon. Beaucoup de vitesse. Putain. Risque de blessure, il va peut-être se blesser. Hein. Après, il a une très haute motivation. Moi, je suis en moyen. Moi, je suis vraiment en mode... vif lingué, quoi. En vrai, on a des stats similaires, quand même. Hein. Bon, après, il a mis rapide, parce que c'est... il y a peu de lift. Hein. Il joue pas en lift, en lui. Oula. Oh la vache. Oh, il est présent à la volée, quand même. On va se mettre les balles de jeu, on va tout se mettre. 3 balles de jeu, déjà, pour Tim. Après, ça recopie pas exactement comment il joue dans la vraie vie. Hein. C'est plus un joueur de terre, lui, je crois, Tim. Le premier jeu qui a été remporté facilement. Le premier point, là, qui fait plaisir. Et 3 balles de jeu. Boum. L'ace de 104 km/h qui nous permet d'égaliser un partout dans ce match. Il va y avoir beaucoup de services. Oh, là, magnifique, par contre, comment il l'a déposé. Oui, il lift, ouais, comme quoi, tu vois, genre, il a dû adapter, là, pour... Hein. Oh, lolo. Sans la claque, hein. Oh, oui, la vache. Allez, 2 balles de jeu. Tant qu'on tient notre service, honnêtement. Tant qu'on tient notre service, on est tranquille. Hein. Juste faut... Oh, là, ouf, ça sort, ça. Allez, 2 partout. Oh, 2 balles de break. Et on peut le faire, hein. On peut le faire, hein. C'est pour nous, le gazon, hein. Allez, voilà. Allez, à droite. Oh, le contre-pied, bien joué. Fais gaffe. Oui, monsieur, t'accélères. C'est ouvert, c'est ouvert. Oh, le contre-pied encore, c'est chaud. Oui. Oui, monsieur, le break. Non, mais je crois que c'est juste le gazon qu'il nous fallait, hein. On va le fumer, team. Je rigole même pas, hein. Ouais, c'est ouvert, là, quand même. 2 balles de jeu sur le T. La volée est belle. Alors qu'on est nul encore, hein, dites-vous. Ça sort. 4-2. On a fait le trou. Encore 2 balles de break? Mais il est claqué ou quoi, là? Il en peut plus, le mec. Oh, oh, il y a quand même des beaux petits points. Il en a sauvé une première. On est toujours en pro, hein, je précise. Dire que tu voulais pas faire Wimbledon. Ah, mais c'est Wimbledon que... Ils m'ont mis un message en mode, tu sais, c'est con. Ah, le passing, de toute façon, ma présence à la volée est horrible. Je sers pour le 7, là, hein. Contre Dominic Thiem pour lui mettre un 6-2 dans sa race, hein. Je sais pas si on est très clair, là. Alors qu'à Roland-Garros, je me suis fait tège par un mec... Pff, c'est beau, ça. Enfin, non, on a failli se faire tège. Par un mec 1800e mondial, là. Mais c'est délicieux! Mais c'est délicieux! Mais c'est... Il faut être à la volée. Dans ce jeu, je pense qu'il faut être à la volée. On a analysé, là. Ah, dommage. Attention au craquage, quand même. Hein. Ah, il y a gros stress en face. Gros stress. Hein. Là, il l'a plus, là. Allez, clac. 6-2, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. 8 sur 11 à la montée au filet. 10 points gagnants. Peu de fautes directes, contrairement à lui. 4 aces. Il a une double faute. Oh, il doit être mal. Il va se blesser, je pense. Oh, la vache. Attention, parce que là, c'était que le premier set, hein. À chaque fois, il a perdu les deux premiers sets, hein, dans l'historique de son tournoi, je crois. Enfin, au moins les deux premiers tours, il a fait 2 sets perdus, et ensuite il a gagné les autres. C'est ça qui doit être fatigué. Il a eu que des matchs de bâtard. Ah, il est à 100%. Moi, je suis à 99. Comme quoi. Oh, il nous balade, là. Attention, quand même. On remonte. Allez, balle de jeu. Oui, monsieur. Attention. Oh là là. Oh non. Oh, ça m'a perturbé, la lettre. Encore une balle de jeu. Ouvre. Let's go! Ouais, il va pas me lâcher... Quoi? J'allais dire, il va pas me lâcher des jeux aussi facilement. Ouais, non, comme quoi. 9ème ace de son côté. C'est ça? Ah, oh, putain, c'est dommage. C'est bon, c'était le seul point qu'on a perdu du jeu. Des gros services qui nous permettent de nous mettre bien. Allez, à gauche. Ça le fatigue, il est épuisé, là. Dominico très riche. Des gens très riches, ou au moins riches, sur le chat, s'il vous plaît. 45, c'est dur. Avance un peu, tu penses que je dois avancer un peu sur leur tour? Ça sert bien quand même, hein. J'ai mis 4%. Oh là là, je suis dedans, là. Oh.
Je mets ça. Oh, ça sort, dommage. X3 okay. Oh. Merci X3 pour le prime. Du coup, le riche plus. Très pauvre, si tu veux. C'est la S. Bon, qu'est-ce qu'on a là? 40-15? C'est bon, ça. Voilà, magnifique, les services. Hein. Oh, 40-0, ça va être... Je pense qu'on va mettre de la balle de break. Hein. Oh, on est contre team, hein. On est jamais contre team. C'est le troisième mondial, on est en train de le péter. On va se mettre du point, hein. Je suis désolé, les gens, mais... Peut-être pas assez vite, mais en plus, on l'accroche, là. Hein. Il galère, hein. Il se fait pas des jeux cadeaux, là. Hein. Il se fait pas des jeux cadeaux, hein. 40-30, mon pote. Oh, t'as de la chance que ton premier service passe, toi. Ouais, ouais, t'as de la chance, hein. Sinon, tu sais que je t'attendais, hein. 40-30, attention aussi là, attention à nous là, parce que deuxième balle, ça peut faire mal. Le retour est sévère. 40A, attention. Allez, avantage pour nous, et c'est claqué. 217 km/h. Seven, bienvenue Seven, merci pour le prime. Oh la vache. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Oh, attention, deuxième balle. 40-31, ça peut être un break. Ça peut être un break. Oh non, gros. Attends, tu me déchauffes, là. Ouais, 3 balles de jeu pour égaliser, pour aller dans le tie-break. Magnifique. La première suffira. C'est bon. Eh, on va se faire full beef à Wimbledon. Mais attention. Rien n'est gagné encore. Magnifique dans les pieds. Magnifique, la balle dans les pieds. 1-0. Mini-break. Boum. Clac, clac. Oui, joli, putain. T'es pas obligé d'être comme une brute, là. 2-0. Super. Jusqu'ici, t'as été solide au tie-break, ouais, sauf une fois où on a pris 7-1, je crois. Oh là, c'est dur, par contre. Ça, c'est dur de monter sur un deuxième service, gros. On respecte pas notre adversaire, hein. Numéro 3 mondial en face, et on fait ça. Dans les pieds, par contre, c'est sublime. Nos retours dans les pieds, ils sont magnifiques, hein. Non, stop! Non, c'est bon, 6-2. Oh, parce que j'ai fait next. Ça m'a mis balle de 7, du coup. Encore 2 balles de 7. Allez. Magnifique. Allez, l'autre. 6-2, 7-6. C'est... Par contre, ça... C'est le pattern qu'il a eu quasiment tout le temps, team, dans le tournoi. Donc faut pas non plus trop se chauffer, c'est un joueur que... Quand il a plus le choix... Dos au mur... Il se révèle. Voilà, tiens, réveille-toi bien, mon pote. Hein. Allez, 2 balles de jeu. On reste calme. Ça chope. Tu vois, juste si je la brosse moins et que je la claque un peu plus... Oh le lob. Allez, 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 allez. Entre les jambes, un truc sexy. Pense à ta com, mon pote. Si tu veux le sponsor Uniqlo, là. Oula, on va se faire bosser, là. Oh, le petit passing, c'était beau. Oui, monsieur. Oui. La foule est en délire, là-dessus. 40-30. Oh. 40-0. J'ai peur à chaque fois, hein. J'ai peur qu'on craque, mais on craque pas. Hein. Je ne vois pas craquer là-dessus, hein. Je ne vois pas craquer sur Wimbledon. Hein. Encore une... Quoi? Ok, tout va bien. C'est pas grave. De partout, tout va bien, mon pote. Commence à fatiguer en format court terme. Match de 3-7 gagnant, ça épuise. Faudrait pas qu'on aille au 4 ou 5ème set. Hein. Oh là là. Oh là, c'est le craquage. Non, c'est bon. C'est rattrapé avec du gros service. Oui, sur le 15ème ace, 191 km/h. Dans les pieds, toujours dans les pieds, mon pote. Tu vas la prendre tout le temps, celle-là. 50 service. En fait, le truc, c'est que comme j'ai amélioré mon service, je perds jamais mon service. 40-30, ça peut être dangereux, là. Ça peut être dangereux pour lui, là. Deuxième service en plus. 50 service. Game player 2. J'ai envie de servir à 230. Tu sais que vraiment que ça soit lui donner des stéroïdes. Le voir arriver en mode... C'est qu'il fasse des grognements à chaque fois. Voilà ce que va devenir Roger Poblito. Une bête de laboratoire. Oh mais tant que tu me mets des revers comme ça... Il est où le numéro 3? Non mais là on le voit plus. Hein. Joue en blanc, joue en blanc. C'est vrai qu'on joue pas en blanc. On va adapter le maillot Team Pax. J'avais dit à la reine. J'ai envoyé un petit WhatsApp à la reine en lui disant écoute Elise. Je l'appelle Elise, moi, depuis le temps qu'on se connaît. Je vais juste jouer en noir, là, mais rapido. Il y a quand même 2-3 touches de blanc. Mais c'est surtout, voilà, pour montrer mon appartenance à la Team Pax et tout. J'ai fini le message sur un petit emoji aubergine.
Elle m'a répondu un petit emoji langue et dégoût, tu étais en mode... Eh bé madame. Eh bé, je vois que l'âge ne change pas la personne, hein. Bon, 45. On en est où, là? Eh, mon pote. Oh là là, ça se fait des balles, là. Voilà, bouge-le. Ce beauf. Oh, on était sur une session beauf, oui, en effet. De temps à autre, ça nous arrive. Ah, oh, ça, c'est cadeau, ça. Ça va aller au tie-break, hein, cette merde. Oh, 204 km/h, 18ème ace. Oh, ça sort, ça. Attention, hein, 3 balles de match, hein. 3 balles de match pour éliminer le 3ème joueur mondial, hein. Putain! Quart de finale, mon pote, je me mets en blanc. Je mets tout. Quart de finale de Wimbledon, hein. On l'a sorti en 3-7 à 0, genre en mode c'était juste un gars de qualif. Je joue contre Géonise. C'est qui Géonise? Oh putain, 2 mètres. 0% de lift. Mais si, je peux pas me changer. Oh, je peux pas me changer. Oh, je peux pas me changer. Oh, je disrespecte la reine. On va rester dans les habits classiques. Ah, si, je peux me changer, mais on va rester dans les habits classiques. Je pense que c'est... Je pense que c'est... C'est une pression. Par contre, on va gagner tellement d'argent. Team pack supérieur à la reine, hein. Je pense qu'on est assez d'accord. Allez, faut aller le chercher, lui. Hein. Tu peux changer, là. C'est pas grave. Très motivé, le mec, hein. Moi, je suis toujours moyen motivé, ça fait chier, hein, je dois lui dire au bout d'un moment. Commence à s'emmerder avec ça, là. 96% de vitesse, il a. Ah ouais, il est chaud. Par contre, pas tant de force que ça. Hein. Je pensais qu'il aurait un meilleur service. Allez, c'est le moment. Quart de finale de Grand Chelem. On n'a jamais fait ça. Hein. On a éliminé, là, le 16e, le 3e. C'est pas ce pouilleux, là, qui va nous gêner. Hein. J'ai combien d'énergie, hein? 91%. Putain, il est à 98, lui. Sans que les 3-7 gagnants, on n'a pas l'habitude. Hein. Mauvaise préparation en plus pour Swimbledon, clac là. Magnifique. 1-0. Allez. Ah, c'est un gros serveur, lui, j'ai l'impression. Hein. Ah, c'est le genre de match où on va pas se prendre un... Oui, monsieur, dépose. Oh non, balle de break. Oh non, la balle de break. Ça va être impossible de lui prendre des... Oh non. Oui, c'est bien accéléré. Oh non. Cours. Oui, bien joué. Oh non, pas là-dessus, gros, t'es au filler, tu devrais pas y être. On se fait breaker dès le début, ça fait mal, hein. Je pense qu'on n'arrivera jamais à le breaker, non. Oh, juste parce que je l'ai traité de pouilleux, c'est ça? Let. Ah, chier, son deuxième service. Qu'est-ce que tu fais, là, à montrer tes bras, là? Il est horrible. Oh, dommage, faut que je l'attaque. Faut que je l'attaque et que je le vise sur son revers. Parce qu'il met des gifles en coup droit. Ça sort, ça. Okay, on sait que ça va être dur. Ça va être un match difficile, il va falloir aller le chercher. Allez, Kufni, merci pour le 8ème mois. Oh, derrière, je me craque. Allez, 2 balles de jeu. Je veux plus un seul service craqué, là. Oh, faut arrêter les montées à la volée, peut-être. Oh, quoique, continue un peu. Allez, balle de débreak, allez! Putain, non! Ça sort, ça. Attaque le plus! Il vient tout le temps la voler. Ça sort, allez, encore une balle! Allez, c'est bien, deuxième service. Faut frapper. Oh non, on frappe pas assez sur ce retour. Faut que je m'avance plus, il fait pas mal. Allez. Advantage service. Ça sort. Putain, 2 balles de break foutues en l'air, quoi. J'ai le seum. Allez, dégage. Encore une balle de jeu. Ça sort à nouveau. On attaque direct, boum. Bien, c'est mieux, on est déjà mieux dans la balle, là. Oh la vache. Oh ouais. Avec son vieux coup droit, là.
154, mais pourquoi c'est aussi lent? Oh mais faut, je vais jouer que sur son revers en fait. Hein. C'est 50% sur son revers là. Hein. Au pire il se décalera, hein, ça va le fatiguer. Hein. Et je vise un peu les lignes. Hein. 20% de ligne. Hein. Oh, il a un coup droit ou faut pas. Hein. Toi il chope sur le revers. C'est vraiment la brute quoi. C'est vraiment la brute qui fait 2 mètres. Oh l'enculé. Encore une balle de break. Booste-toi en cliquant sur l'icône en dessous de malus. Boost d'expérience. Oh! Je peux me booster! Avec les points d'XP, ils servent à ça, les points d'XP en match! Oh! Requiert 40 points. 20 points, 10 points. Et je me booste de 10 points. Je me booste de 7% en tout. 7% de boost. Je peux pas me booster encore? Oh, je me serais bien boosté pour tous les prochains points. Bah, je suis boosté pourtant! Mais c'est horrible le boostage! Game player 2. Oh non! Peut-être pour le set après. Oh, j'ai des balles de break. Oh, c'était peut-être le boostage. Et c'est... Mais on peut. Ça sort. Je suis dopé? Game player 1. Ah, mais 5-3, là, va falloir le breaker deux fois. Hein. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Hein. Là, je vous le dis. On a un peu de temps. Hein. Par contre, il fout le stress. Je sais pas pourquoi. Moi, je stresse aussi. Peut-être qu'il a vu que j'ai pris des cachets. Voilà, tiens. Au niveau du contrôle antidopage, on est bon ou pas? Alors, on est plus sur de la prise d'expérience que de la prise de... Non mais attends, voilà, c'est le moment. Ah non, 3 balles de 7. Ça va être dur. Dans les pieds. Non, les pieds, ça passe même pas, putain. Ah oh, voilà, c'est cadeau. Il fait 2 mètres, le gars. Il a juste... C'est une araignée, le mec. Bon, premier set perdu 6-4. On avait... Pff, ouais, on avait des chances de breaker. On n'a pas breaké. Lui en avait, il a mieux fait. Il stresse de se faire contrôler. Bah les deux stressent là. Oh là là, non. Stop la montée, la volée là. Voilà, c'est beau ça. Ça c'est beau ça. On va voir un peu les balles de break maintenant. Joli. Joli. Allez, 2 balles de break. Allez. Allez Roger. Allez Roger. Oh la vache, c'est bon ça. 3-1. Game player 1. Pas de craquage. Hein. C'est bien ça, pour le 7. Allez, pour le 7 là. 5-3, 2 balles de 7. Oh le boost. C'est un stress positif. Ouais, c'est de l'adrénaline. 4-6, 6-3. On est dans notre match. On est dans notre match en claquette là, mon pote. Ah, première balle de break. Je sens qu'il est mal. Je sens qu'il commence à être mal. On le voit à chaque fois. Regardez bien les scores en haut à droite hein, quand on passe. Advantage service. Allez. Oui, oui, oui. Quoi il... Ah, j'ai cru qu'il remettait ça. Allez, encore une balle de break. Encore une balle de break, c'est à nous, c'est à nous. Allez. Oui, c'est bien ça. Oh, le bâtard. Contre-pied. Oh, dommage. Oh, longue ligne. Il stresse de ouf. Enlève le recul. Justement, attends, j'ai pas mis le recul. J'ai mis qu'on avançait dans le terrain sur ce service. Il sert pas bien, je trouve. Oh là. Ah oh ouais, là, c'était sûr. Pas de break. Oh là, balle de break. Enfin, balle de débreak, plutôt. Attention. Faut la sauver, celle-là. Faut la sauver, mon pote. C'est magnifiquement sauvé. C'est magnifiquement sauvé. Yo. Non, t'as mal lu recul. Putain de merde. Oh, je comprends jamais rien. Allez, boum. 5-3. Si break, il y a 7. Mais pas de break, apparemment. 45, 2 balles de jeu. Derrière, je servirai pour le 6-4. Joli, joli, joli. C'est pas fini encore. Hein. C'est pas joué. Hein. C'est pas dit. Hein. C'est peut-être sur ce jeu que ça va se jouer. Oh là, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau, ça. Allez, mon pote, 3 balles de 7. Voilà, c'est bien. Montez à la volée.
On se fait calmer, mais c'est la vie. 45. Bien, un petit ice qui va passer. Allez, non, c'est bon. Service gagnant. 4-6, 6-3, 6-4. Dernier set. Oh, le boost d'XP. T'as boosté ton XP, pas ton level. Non, mais c'est un champ boost. Oh, quel enfer, la volée, quoi. Oh, dommage. On va se mettre... J'ai raté la fin du tournoi sur ta voiture à cause du taf, ça a donné quoi? Non, ça a été difficile. On est parti sur gazon et là on est en quart de finale, mec. Hein. On est en quart de finale et on est en train de faire l'exploit. Ou on est en huitième? On est en quart, là. Regarde, regarde un peu comment on lui répond, là. Bon, il répond bien aussi. Hein. Une belle bête. Hein. Oh, c'est un beau bestiau. Hein. Oh non, la viande est tendre, honnêtement, il y a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Hein. Magnifique. Le court croisé. Boum, longue. Oh. Oh là. Ça va être dur. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé, ça. Encore une balle à sauver. Pas loin de toucher, celle-là. C'est dur. Allez, maintenant... Oh là, attention, parce que les jeux sont serrés, là. Les jeux sont très serrés. Hein. Quatrième set. Oh non, bah là, mon pote, t'as mal joué. Hein. T'as très mal joué. Hein. T'avais moyen de me mettre en difficulté. 3 balles de jeu pour lui, c'est faux, oh, il a shooté dedans. Ah, j'aime ses retours dans les pieds forts, là. Meilleur retour, ça. J'ai du jeu, là. Hein. Honnêtement, je développe du jeu, hein, je trouve. Hein. Oh, putain. Oh, là, 3 balles de break. Attention au craquage. Attention au craquage, là. Oh là là. On s'est fait breaker. Non, oh, il a 3 balles de jeu derrière. 4-1. Ah, le break qui fait mal, là. Voilà. Clac-clac-clac-clac-clac-clac. Oui, monsieur! Allez, 4-2. C'est peut-être le moment, là, de breaker, de faire un truc. Oui, le 2. Allez, 2 balles de débreak. Oh là, on va se faire claquer, là. Le passing. Oh, oh, dommage. Allez, encore une balle, encore une balle, encore une balle. On peut le faire, on peut le faire. On va se mettre un petit boost, là. À droite. Oui. Encore. Oh, ça sort. 40A. Ah, oh, 2 balles de break waste. Il va nous mettre un nice, non, c'est bon. Culé. Go, laisser le 7. Voilà, on pouvait encore, mais là... J'hésite limite, vu ma forme et tout, à laisser ce 7 là. Hein. Ah oh ouais, je vais laisser le 7 là. On va chercher le tie break, non, non, on va laisser le 7 là. Il a deux gros services, je dois le breaker 3 fois de suite. Je préfère y aller à 50% là. Là j'y vais à 50% ici, je me repose. Il y a un 5ème set qui va être décisif. Et hop, de retour, je suis pas plutôt quelle journée sans fin, fichtre. Tu vois, lui il était bouillant, lui il est en power spike là. Laisser le 7 pour un jeu kappa. Ouais, voilà, tu vois. Bon, qu'est-ce qui s'est mal passé? Pas beaucoup de service, les montées à la volée ça allait, les balles de break. Hein. Juste on craque sur des balles de break. Allez mon pote, c'est maintenant. Hein. Cinquième set, on est en quart de finale. Faut commencer à se dire les choses là. Hein. Faut commencer à parler maintenant. Hein. Allez, allez là gros. Ça sort. Dommage, dommage, j'avais de l'idée. Il fait chier lui. Hein. Il tape fort, il est pas fatigué quoi. Faut l'empêcher de monter au filet. Ouais, mais le souci, c'est qu'on peut pas, y a pas beaucoup de trucs dans le jeu pour. Et j'ai 0 en passing et en lob. C'est pour la suite ça. Allez, boum. Commence à faire beaucoup de fautes. Hein. Bien ça, bien par contre. Oui, joli ça. Commence à être plus difficile de servir. Allez, une balle de break. Allez, allez, c'est maintenant là. C'est maintenant mon petit. Il n'y aura pas de chance. Il n'y aura pas de chance, putain, et tu lui fais des cadeaux. On est à 2h30 de match là. Je sais pas.
Peut-être enlever les lignes, ouais, comme je vous l'avais dit, je sais pas. 50 service. Non, tu peux pas monter. Tu peux pas monter à la volée comme ça sur un retour de merde, gros. Bien. Allez, faut assurer les jeux de service de toute façon. C'est le nerf de la guerre. Si on les tient au moins. Voilà, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Game player one. Bah, l'inverse de l'amorti. Faire des amortis plus souvent, faire des amortis moins souvent. Ouais, non, c'est même pas ça, je crois. 50 service. Allez, encore une balle de break. Allez, stop-play, gros. Commence à jouer, là. Allez. Oui, magnifique, tu l'as. Allez, encore. Allez. Allez. Allez, mon petit, vas-y, non. Putain, j'en peux plus, là. J'ai cru qu'il l'avait pas. Justine, merci pour le... Non, je l'avais dit, je crois, pour le 8e mois. Putain, j'ai cru qu'il l'avait pas, et ensuite, il l'a eu, et ensuite, en fait, il l'avait pas. Et là, on se fait claquer, comme d'hab, une balle de break, et... Ouais, peut-être pas finir. Oh, dommage. Arrête avec tes montées à la... Arrête avec tes montées à la volée de guignol! Non, le gars, il fait un vieux geste sur le mec, et ensuite, il est... Voilà, tiens, un gros chien, mec. Il y a des gens qui te regardent, hein. Genre, dans le monde entier, hein, tu fais ce genre de geste, toi. Ok, pardon. Ok, reste focus. On va enlever un peu de volée, là. Super le shop qui le met mal. 3 partout. Oh putain, c'est lui qui a une balle de... Pff, ça sort. C'est peut-être l'occasion de recoller, là. Égalité. Oui, c'est exactement ça que j'attends sur les retours. Là, tu aurais pu monter. Ça touche la ligne. Fume-le, s'il te plaît. Tout. Let's go. Pas grave. C'est pas grave. Elle est à côté de la ligne. C'est la vie. L'idée était bien. Pff, ça sort, ça. Ça fait peur, hein. Faut mentir. Ça va jouer dans le tie-break. Mais il n'y a pas de tie-break, je crois. Parce que eux, c'est pas que Roland. Dans leur jeu, c'est pas que Roland. C'est tout. Game player one. Je crois que c'est tout. C'est-à-dire que tu peux finir en 22-21, quoi. Enfin, 23-21, je pense. Pour tous les grands chelems, ils ont mis ça. Let's go. Crucifie. Allez, la balle, là. Allez, la balle de break. Tu rentres dedans. Tu mets tout. Explose juste ta mère. Let's go. Maintenant, il va servir pour le 7. Game player one. Roger Pablito peut-être pour une première. Avec le premier service qui est gagnant. On est à 3 balles de la demi-finale de Grand Chelem. 3 balles de la demi-finale de Wimbledon. 2 balles de la demi-finale de Wimbledon. 3 balles de match. Pas de panique, hein. Pas de stress, il stresse un peu. Dovs, bienvenue, merci pour le prime. Let's go! 4-6, 6-3, 6-4, 2-6, 6-4, 2h56, et au final, Roger Pablito prend son ticket directement pour la demi-finale de Wimbledon. Quel crack ce Roger! Oh putain, en plus on est en difficulté pro là et tout. Ah, les balles de break, hein, c'est dans la tête là. Monter au filet 62%, c'est pas mal quand même. Faute directe 41. C'est beaucoup, mais en même temps, parfois, faute directe, il compte des trucs en mode... il compte pas vraiment service gagnant, tu vois. Demi-finale. Je joue qui? Oh, Sac. Sac, c'est un enfer. Demetrave et Sac, c'était les deux... Je joue lui? Oh non, s'il vous plaît. Oh, je joue Sac. Il s'est fait quoi, lui? 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-2. Oh, il s'est fait un 5-7 juste avant. C'est Sock. C'est Jack Sock, ouais. Il met des mines. Il met des mines, l'enfoiré. C'est un demi-finale. Hein. Et là, il faut qu'il dorme au max. Hein. Girafman38 qui vient d'offrir un sub à Monsieur Scotch. Bienvenue à toi, merci beaucoup Girafman. Allez, 6 heures au lit là. 6 heures au lit, pas de Netflix, rien du tout. Ah, faut que je prenne un boost. Hein. Sac, enfin John Stock là qui nous a déjà battu une fois. 7ème au classement technique. 1m91, une bonne brutasse. Demi-finale pour un tournoi que tu voulais pas faire, c'est ouf. Hein. J'avais call si la demi-finale, j'offre le gift, tu peux remercier Roger. Allez, Girafman. Allez, on est parti. C'est de la brutasse en face. Hein. Je vous le dis, c'est du service volé. Hein.
Ça sort, t'es mal mon pote, c'est pas qui t'as en face de toi là. Je suis à 100% d'énergie, il est à combien? 90, il est mal, il est à 90% d'énergie de base lui. 1. Hein. Ah. Eh, 2 balles de jeu. Son 5-7, il l'a mal vécu lui hier, hein. Il s'est mal reposé. Non, on bouge pas dès le début, on attend un peu. Oh là là, il est pas bien. Allez, déjà c'est breaké, d'entrée de jeu. Parce que en fait, j'ai plus assez pour boost, je crois, pour le match entier. Je pourrais booster que pour les prochains points, que pour certains points. Donc, un break important. Ouais, voilà, il va commencer à bien servir. Là, il avait pas mis d'ace dans le premier jeu de service, mais normalement, ça va être quasiment impossible de... Mais il sert pas si bien que ça, j'ai l'impression. Dernière fois que je l'ai joué, je pouvais pas lui mettre une balle. Peut-être le gazon, c'est pas son truc, hein, je t'assure. Le fait qu'il soit à 90%... Regarde, format court terme et tout, moi aussi, je suis cramé, tu vois. Mais lui, il l'est vraiment beaucoup. Hein. Ah, il est détruit, hein. On va le claquer, mec, hein. On va aller en finale, les gars. Attends, c'est que le premier set, quand même. Faut faire attention. Oh, c'est sur la ligne. 3-0. Allez, mon pote, on respire. Je suis très stressé, beaucoup de stress, là. En face aussi, hein. Il comprend pas... Oh, c'est propre, quand même, ce qu'il vient de nous faire. Allez, encore une balle de jeu. C'est sur le coup droit, 190, et ça sort. 4-0. Baisse l'énergie, du coup. Non, mais on va peut-être pas le claquer jusqu'au bout, tu vois. Genre, il est quand même 7ème mondial. La dernière fois, il m'avait mis 6-2. Oh, dommage. J'avais souvenir qu'il avait un meilleur service. Allez, premier jeu pour Sok. Ça lui donner un peu de confiance. En tout cas, ce premier set, il est clairement pas pour lui. Hein. 5-1. Le 5-2, peut-être, sur cette balle. Il y aura pas de 5-2, il y a égalité. Et il y a une balle de break, balle de 7, sur un deuxième service de Sok. Ace sur un deuxième service? C'est que son troisième. C'est pas grave. Oula, ça sert fort quand même. L'amorti? Elle est vue? Elle est vue, ça sort ça! Allez, encore une balle de 7. Heureusement qu'il y a l'aide. Beaucoup de fautes, hein, en premier service. Je sais pas ce qu'il a eu, là, une blessure ou quoi, mais ça se passe pas bien. Magnifique, magnifique le retour. Le retour est sublime. Bravo, hein, on mérite tout notre parcours, là. Pff, ça sort. Oula. Allez, mon pote. Ah, oh, putain, on va jamais la chercher, celle-là. Allez, encore une balle de 7. Encore une balle de 7, là. Boum. Oh, le petit chop. Oh, elle est dure à remonter. 6-1 dans le premier set. Ça se vénère en face. 18 fautes directes. Je sais pas ce qu'il a, mec. Hein. 43% de... J'ai 41% de service. On va se faire des boules. Je peux vous dire que j'engage 6 coachs. Hein. Vous allez me voir, vous. Il joue ou pas, le mec, là? First service. Second service. Oh là, bien sûr. Service volé sur une deuxième balle. Mais ça, par contre, j'ai un niveau incroyable, là. Ouf, la petite lettre. Ok, là, j'ai l'impression qu'il a repris un peu. Oh, le deuxième service. Oh, les vieilles chopes, là. Il joue... Oh, ça sort, ça. Attention à pas se faire breaker, quand même. Hein. Pas parce qu'on a mis une tôle dans le... Attention à pas se faire breaker, mon pote, là. Allez, encore une balle de jeu, encore une balle de jeu. Ça sort. Quoi? Chat. Non, la balle de break là-dessus. Service est bon. Oh là là, la suite est très belle aussi. La suite est très très belle. Pardon, excuse-moi. Je me suis énervé pour rien. Magnifique. Il fait partie des grands, ce joueur. Le classement qu'on va avoir après ce tournoi. 50 service. Ouais, c'est pas fini, on se concentre sur le tournoi. On est en demi là. Let's go. Game player one. Second service. Oh là. On va se mettre les balles de break après. Hein. Je pense qu'on va se mettre les balles de break. Oh, magnifique! Pas de balles de break ici, pas de balles de break. Ça commence à être tendu. Deux balles de break à 6-5. New Stick, merci pour le prime. Deux balles de break, c'est le moment. Là, c'est clairement le moment.
Là, c'est le 7. Hein. C'est deux balles de break, mais enfin, pas deux balles de break, deux balles de 7, pardon. Allez, dans les pieds, comme d'hab. Oh, sur la ligne. Oh, l'enculé. Le boost. Oh, j'avoue. Pour 2 points. Je veux booster. J'ai boosté, je crois, pour ce point. Enfin, pour 2 points. Dans les pieds. Allez. Mais c'est nul, le boost. Oh, sur la ligne, l'enculé. Mais voilà, c'était ça, mon boost, pour 2 points, putain. Quelle vie nulle. Et derrière, ça finit comme ça, putain. Giga Wars. Non, foiré. Oh, par contre, incroyable. C'est peut-être maintenant que... Ah non, il n'y a plus le boost, hein. Oh, le boost, putain. On va avoir tellement de... Oh là là. Il est important. Il est très important, ce tie-break. Hein. Allez, le deuxième service, là. Boum. Bien. Oh, c'est dur. Oh, je bouge pas. Je fais mon coup, je fais mon retour. Je bouge pas, je suis statique. Magnifique, magnifique, mon pote. Allez. Point après point, là. Super. Service volé. Clac. C'est dur. Boum, gauche. Non, plus gauche. Je sais pas faire de passing. Genre, j'ai 10% de passing, je suis un... Soc, un petit diesel. Ah ouais, non, mais là... Ah, oh, c'est cadeau. 5-2. 2-5. Merci pour tout, Domi, t'es juste le boss. Merci beaucoup, Carpuccio. Merci pour le troisième mois en plus. Plus la même envie. Y'a plus la même envie. Y'a plus la même envie, là, les gars. 4 balles de 7, il se tape. Putain. Il stresse full. Qu'est-ce qui se passe dans ce set? Peu de points gagnants, on fait peu la diff, peut-être un peu d'attaque, là, il va falloir gérer. Oh là là. Et on va essayer de le faire courir un peu, il est pas trop en forme. Il est pas trop en forme. Putain, le diesel, quoi. Premier set, il était pas du tout dedans. Et derrière, après, ça a été impossible de se breaker réciproquement. C'est bien ça. La montée est belle. Ça sort. Let's go. On va se mettre quelques balles de break, voir un peu ce qui se passe. Pas de balles de break pour le pro. Ouf, ça a failli être chaud, là. Oh, ça se prend. C'est parti, c'est maintenant. C'est maintenant, la balle de break. C'est maintenant. Oui, dans les pieds. Allez. Ah, c'est une volée d'entraînement, là. Là, ça traîne avant les matchs à la volée, là. Lyon Link, 36 mois, merci, poteau. Derrière, bon service. Balle de jeu pour mener 4-3, et c'est un ace qui nous claque là-dessus. Heureusement, mentalement, c'est bon de notre côté. Allez, encore une fois, là. 3 balles de break, 3 balles de break, 2 balles de break maintenant. 2 balles de break. Derrière, on peut servir pour le 7. Oh, mais on va pas prendre 3 aces, s'il te plaît. Non, pas ça, juste pas 3 aces. Pas 3 aces, c'est le moment. Il en reste plus qu'une. Ouf. Oh, la faute gratos. Et on sert pour le 7. Salut Domingo, premier live. Bienvenue à Rassal. Dites bienvenue à Rassal. Qui arrive sur les lives, qui découvre. Enfin, le mien, j'imagine, parce que je vois un truc Twitch Prime, donc il doit connaître Twitch. 30-0. Allez, à 2 points du 7. Foulette. Allez, 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 allez. Let's go, let's go, let's go, let's go. 3 balles de 7. Let's go. 212. T'as 3 balles de 7, tu claques un 212. Service le plus rapide du 7. Allez, maintenant, faut aller chercher le quatrième, là. Allez, ça commence bien, ce quatrième. Hein. 15, low. Oh. Oh non, c'est cadeau. Oh, ça sort. Oh merde. Attends, je vais mettre des balles de jeu, là. Je vais mettre les balles de jeu, c'est potentiellement le dernier set. Game player one. Putain, les 40-30, ça donne tellement envie, surtout quand il y a une faute au premier service. Ah, mais ça rentre pas assez dedans, là. Trop de lift, trop de lift. Il y a des passings, on sait pas faire. Ça sort. Ça sort, c'est parfait. Au début, j'ai cru que j'étais en train de... en balle de break, alors que pas du tout. Donc, je me suis mindfuck tout seul. Let's go. Let's go, la balle de break. K12. Bienvenue à toi, K12, peut-être. C'est peut-être mieux, ouais, K12. Oh, K12, je sais pas. Merci en tout cas pour le sub, bienvenue. Non. Oh, il nous déçoit quand il fait ça.
Ah, quand ils nous pondent des petites merdes, là. Razen Super, quatrième mois. Ah, les petites merdes qu'ils nous pondent, c'est vraiment à vomir. Par contre, ça, c'est magnifique. Par contre, ça, c'est magnifique. L'autre, je sais pas ce qu'il a espéré, là. Il nous a fait une vieille balle flinguée. Ça sort. Allez, 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 allez. Boum. Encore. Ouvert. Oui. Oh, il est dessus. Oui. Let's go. 2-1. Allez, on se fait pas breaker maintenant. On se fait pas breaker, on est en finale. On se fait pas breaker, on est en finale, mon pote. Contre-pied. Dommage. Ça craque mentalement. Full stress, le soc. Oh, mais ça joue bien, ça joue, hein. Ça, j'ai juste trop de livres dans mon jeu pour... tu sais, j'agresse pas assez, certaines fois. Oh, putain. Normal, hein. De toute façon, là... Ah, c'est dur ce qu'il fait. Attention, attention, quand même. Ouais, 40-0, ça fait du bien. Si on se fait pas... Là, si on se fait pas voler les services, c'est gagné. C'est magnifique, c'est assuré. 4-2. Enfin, si on peut breaker, c'est encore mieux, quoi. Oh, c'est dur de breaker, hein. C'est dur. Allez, 4-3. Encore, parfait, ça. 3 balles de jeu, c'est super. On n'est pas inquiété sur notre service. On est au-dessus au service. On a train le service. 5-3. Ça se rapproche. À deux doigts de la finale. Il stresse, hein. Je sais pas pourquoi il a du stress, hein. Parce qu'il a jamais été là, quoi. Ah, l'autre a plus du tout de forme, hein. Regardez, hein. Là, il est dans le... Ici, vous le voyez, il est pire que dans son... Il est au bout du bout, hein. Déjà qu'il a commencé le match à 90%. Allez, ça sort, ça sort, ça sort, ça. Oh là là, c'est peut-être sur ce jeu. C'est peut-être sur ce jeu qu'on va aller en finale. 50. C'est une balle de match. Balle de match pour la finale. Oh, c'est dur. Oh, c'est renvoyé quand même. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est pas grave. Oui. Ah, oh, c'est dur, putain. Balle de jeu, attention hein, quand même derrière. Hein. Faut leur assurer le service si jamais on perd ce jeu. C'est pas perdu encore. C'est pas perdu. Out. Oh, t'as vu le petit pas en avant là? Il a voulu rentrer dedans là. Putain, mais c'est un gagnant notre joueur. Ça sort, ça sort, ça sort. C'est une balle de match à nouveau. Allez, 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 allez là. Allez mon pote. Chemin vers la victoire là. C'est bien ça, c'est bien tourné, c'est bien tourné. Allez mon gars, allez. Allez, boum. Oui. Let's go. 6-1, 6-7, 7-5, 6-3. En 2h32 et 4-7. Roger Pablito accède pour la première fois de sa vie à une finale de Grand Chelem. Finale de Wimbledon. Oh, je voulais pas faire le tournoi, putain, quel con. Mais c'est la, le gazon. Je ne suis qu'herbe. Je ne suis rien d'autre qu'herbe. On joue qui? On joue qui? Bozello. Bozello Chevel. C'est qui Bozello Chevel? Oh, c'est un gros serveur. Il a 14 ans? Ah non, il est 14e mondial. Bassiavelli. Putain. Bassilashvili. Bassilashvili, ça se dit? Bon, il sait pas jouer, quoi. Juste, il sert, il fait des volets, il fait des lobes et des amortis, quoi. Ah, lui aussi, il a un parcours un peu flingué, quoi. Quart de finale, premier tour. Ah ouais, il a fait quoi à Paris? Un quart de finale quand même à Paris, c'est pas mal. Hein. Mais là, c'est la finale, là. 93 en volée, c'est insane. Ah, il va beaucoup monter. Hein. Il va beaucoup monter, ça va être difficile de le contrôler hein, à la volée. Et je vais être fatigué. Lui aussi est un peu fatigué, mais je le suis quand même beaucoup plus. Il a 95 de vitesse. Attends, attends, stop, pause, pause, pause. Je peux pas booster là sur le match, un truc comme ça? Boost, requiert 10 points. Je peux booster. Ah, je booste, hein. Ah, j'ai boosté, hein. Ah, on booste, hein. Ah, ça commence bien. Il a un coup droit assez bof. Oh là là, la montée à la volée, on va éviter, là. Allez, c'est bon. Ah, on est parti, des gros services, là. Finale de Wimbledon. Finale de Wimbledon. Ça serait incroyable que je gagne. Premier grand chelem. Putain, on a fait deuxième tour en galère à Roland-Garros, quoi. Montre un peu comment il sert. 180, ça a l'air gérable, hein.
Ça a l'air gérable, hein. Ça a l'air très très gérable. Magnifique, là, le retour dans les pieds. 3-7 gagné en chocol. Ouf, ça fait plus mal déjà. Oh la vache. Oh, le 197 km/h extérieur, celui de la montée à la volée, là. Oh ouais, non, il tape, hein, il tape. Hein. Par contre, il est full stress, j'avoue. 15, et moi, je suis pas trop en stress, hein. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Continue à nous régaler comme tu le fais déjà. Merci beaucoup, Fula. Allez, 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 allez. Oh, le titre, c'est encore Roland Garros, merde. Allez. Petite pichenette. Balle de jeu. Oh, ça touche. Pourquoi c'est écrit UK Slam? C'est un jeu indé qui est fait par un seul gars. Oh, la décale coup droit. Par un seul gars qui s'appelle Omanu. Il s'appelle pas Manu, c'est Omanu. Et qu'on avait eu sur Discord. Balle de break. Non mais attends, c'est ouf là. Et du coup il a pas les licences, il a pas les droits et tout. Oh, le lob. Ah. C'est vrai qu'on a assez peu train le lob. Son énergie à l'adversaire est à 100% et nous on est à 99,7. Ah, c'est dur en reculant là. Bon. On a eu une chance de break déjà. Allez, 3 balles de jeu. Ouf, solide ce revers là. Ah. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 2-1. C'est Mana Games, ouais, si vous voulez. Ça s'appelle Tennis Elbow Manager 2, je crois. C'est ça. Ouf, c'est mal joué ça. 2 balles de jeu pour lui. Il coûte combien? Il coûte 30 balles, il est cher. Mais c'est parce que c'est un dev indé, il joue, il est solo sur son truc. En fait, juste s'il pour... Oh, dommage. Dommage, dommage. Parce que là, honnêtement, il l'aurait pas eu, celle-là. Ice Swarm. Bienvenue à Ice Swarm. Merci pour le prime. De partout pour l'instant, dans cette finale. Ouh, à 155. Juste, il est calé. C'est du slicé. Allez, c'est bon. Encore un jeu blanc. Ça fait du bien. 2 balles de jeu pour lui. De toute façon, ça va être beaucoup de jeux. Va falloir juste assurer les services. Hein. Nirod, merci. Et à un moment, va falloir qu'on le surprenne. Attention à ne pas être trop vite à bout. Dorothée aussi qui lâche son prime. Merci pour tous les primes. Merci à vous tous, c'est hyper gentil. Bienvenue. Let's go. Allez, encore un jeu blanc. C'est bien, tant qu'on défend bien notre jeu de service, honnêtement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au pire, on ira au tie-break et on sait qu'on a le mental. Ça sort, ça. Un jeu blanc aussi pour lui. Game player 2. Oh, ça va pas être un match hyper beau à voir, je pense que ça va être un match mental. Hein. Oh là là, mais c'est... Peu rapide, mais... Beaucoup d'effets. Oh, par contre, c'est un vrai match dégueulasse, quoi. C'est que des jeux blancs. Oh. C'était beau. Attaque-le. Let's go break, ouais, c'est chaud, là. Let's go, ça, c'est bien, ça. On peut mettre un peu d'attaque. 15% d'attaque. Oh, je suis nul à la volée. Hein. Non, on en est là, quoi. Encore un jeu blanc, là. Mais il a aucun jeu, il a aucun fond de jeu, le gars. C'est que de la volée, il est pourri. Allez, il est en stress. Hein. Par contre, à la volée, il est bon, le con. Allez. Oh non, sur la ligne. Faut que je le repousse. Hein. Faut que je l'empêche, de monter à la volée. 50 service. Attaque sur son jeu de service. En fait, le truc, c'est quand tu changes trop de strat, c'est pas bon. 15A. Ah, 40-30, faut défendre celle-là, faut défendre celle-là. Oui. Le passif, 40A. Allez. Allez, 40A, on est dedans, là. Ça sort. C'est pour nous, c'est pour nous. Je sens que c'est pour nous, je sens que c'est pour nous. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est dur. C'est un tie-break. Pas le droit à l'erreur au tie-break. C'est au mental. Allez, le premier point, il est pour nous. 1-0. Ah, let's go. Il y a une lettre, ça a fait bugger. On s'en bat les couilles, on prend tout, nous. 2-0. 0-2. 0-3. On va aller chercher. Son stress monte, hein. Son stress monte. Le service XT, magnifique. Le cours est ouvert. Et ça joue de l'autre côté, bravo. Applaudissez, putain. C'est magnifique, là. Ça monte à la volée, 5-0, mais on vient le tuer. On vient le tuer, on vient stopper sa carrière. On vient stopper sa carrière. Bon. Il a encore envie de jouer un peu. 1-5. Oh la vache. Ok. Part sur du golf maintenant. 6-1.
tu mets bien un gros ice. C'est service gagné en premier set, 7-6. 7-6 pour Pablito en 40 minutes. Il faut en mettre deux autres. Il faut en mettre deux autres. Oula, ça sort. C'est lui qui sert de toute façon. Un break. Oh putain, c'est dur. 210. Hein. Oh, relève. Ah, tu peux pas faire grand chose là-dessus. Ouais, deux balles de jeu. Ça serait bien qu'on réussisse à le breaker en vrai, mais... Oh. 9e ace, c'est pas tant que ça, mais... J'aurais applaudi si j'avais pas mon téléphone dans les mains. Le truc, c'est que c'est très dur, ça va être très dur de le breaker, quoi, mais bon... Oh, c'est incroyable, ça. Bravo. Ah, encore, putain, deux balles de jeu. Ah ouais, il est imprenable. Hein. Il est imprenable. Il monte au filet, mais il fait beaucoup de fautes. Bah, le truc, ouais, c'est que, hormis quand il est au filet, il est très, très, très prenable. C'est juste au filet où c'est ingérable. Et c'est souvent avec son service, du coup, que ça se joue. Et c'est compliqué de le repousser, parce qu'il sert quand même pas mal. Mais derrière, il est poubelle. Hein. On en voit souvent des joueurs comme ça, tu sais, genre des... Mais juste... Te tient, quoi. À la volée, il te tient. Et j'avoue que j'ai ni train lob, ni passing. Donc, réduit le recul sur le retour. Tu penses... vous voulez dire... vous pensez que je dois aller plus près de la ligne? Oh non, c'est dommage, ça, cette faute gratuite, là. Surtout que là, on est à 40-30. Pff, il me claque un ace. Allez, c'est bon, ça. Oui, pour attaquer. Ouais, faut agresser, mais bon, quand tu prends des... Les potes, quand tu prends un service à 195 km/h, c'est chaud. Skip un peu. Attends, on est en finale de Wimbledon, gros. Pas tout passer, quand même. Passe quelques coups, mais regarde un peu, profite, apprécie. Oh, c'est chaud, ça. En fait, quand il est là, il n'y a aucune chance de le tuer, là. Dans les pieds, c'était bien. Ah, c'est mort. Il n'y a aucune chance, on va pas se faire quand même un bon petit père, merci pour le prime. On va pas se faire des 7-6 à chaque fois là. Putain, c'est le mental, hein. Faut pas craquer. Hein. C'est bien ça. C'était chaud, mais c'est bien. Ça peut l'épuiser. Oh, il est bon! Ouais, deux balles de jeu. Ouais, c'est bien ça. Sinon, je vise les lignes, hein. Sinon, j'essaye de viser les lignes et... Je vais pas mettre de recul sur le retour. À un moment, tu peux pas mettre juste 1%, mais... C'est jeu blanc, ça. C'est-à-dire que tu voulais pas le faire, j'avoue qu'on me le donne. Tu changes trop, c'est normal, c'est normal. Là, on a changé parce que c'était pas la meilleure idée de changer maintenant. En même temps, faut changer un moment, quoi. Si on touche jamais rien. Oh, ça sort, c'est bien ça. Allez, deux balles. Ouf, dommage. En fait, tu peux pas changer, tu peux pas faire un truc de jeu de service et de jeu de défense, ce qui est dommage. Ça aurait été cool d'avoir deux stratégies en genre jeu de service et jeu de retour. Mais en fait, à chaque fois que tu touches, ça change et il est en mode... Allez. Du rallye, là. Du rallye. Oh non! Oh, une balle de break! Oh non! Quelle dure vie, putain! Oh, et derrière, on reprend ça. Oh, quelle dure vie! Oh, mais on en prend 3. Oh, dommage. Servir pour... 197 km/h. Non, oh, c'est bien, on le bosse là. Hein. On le bosse de ouf. Hein. Allez, 3 balles pour revenir à 6 partout et rentrer dans le tie break. Il n'en faudra qu'une. Le pire match de l'histoire du tennis. Ouais, c'est les moments où les mecs se. Let. Oh, dommage. Elle était sublime sinon. 0-1. Allez. Deux services à gérer là. C'est notre service, on sait faire. Oui, c'est bien ça mon pote. Let's go. Un partout. Allez, chaque point est hyper important là.
Si jamais on arrive à mettre 2-7 à 0, c'est une énorme option sur la victoire. Oh putain. C'est dur, on a un peu trop reculé là. T'es pas bien en position. Non, magnifique ce passing! Allez, 1-2. Bah, c'est réaliste. Ouais, clairement. Oh, sans que le gazon d'ailleurs commence à être un peu, hein, un peu travaillé quoi. Oui. Oh non, 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 non. Trop kiffé celle-là. Cisco, merci pour le prime. On est à 2-3. Ouais, c'est pas. Par contre, ça c'est magnifique ça. Magnifique là, le petit contre-pied tenté. C'est bien joué. On va le bosser un peu en coup droit. Voilà, derrière ça change l'ambiance. Oh non. Oh, ça se passe, pardon, je pensais qu'elle était dehors. Pardon, Pablito. C'est ma faute, Pablito. C'est moi, j'ai pas cru en toi. 2-4. Allez. Oh putain, c'est dur. Premier service qui passe pas. Ouf, heureusement qu'il y a la faute directe. Là, il faudrait qu'il en loupe un, là. Faudrait qu'on réussisse à en prendre un des deux points, là. Ça sera pas le premier. Allez, 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 allez. Oh, dommage. Putain, l'idée était là. 3 balles de 7. Let's go! Plus que deux. Allez, un ace, un ace, un ace, un ace, un ace. Dommage. Putain. Oui, 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 oui. Let's go, let's go. Allez, plus qu'une, mais c'est son service. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Dans les pieds? Ça sort! 6-6! Oh non, c'est pas bon ça. Oh, c'est dur. Ah, c'est cadeau, on lui fait un cadeau. Encore une balle de 7, mais c'est notre service cette fois-ci. Oui, magnifique. Magnifique cette ace! Oh, il nous soulage tellement. Allez, à nous de la mettre, à nous de la mettre, la balle de 7 là. Oh non. Oh, ça sort! Une balle de 7. 7-8. Sur un deuxième service en plus. Dans les pieds. Oh, ça sort, c'est un peu long. 8-8. Oh, la pression! Allez, 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 allez. Tente un truc. Ah, oh, mais c'est trop facile, il fait 4 mètres. Balle de 7 pour lui. Sur un deuxième service en plus. Oh, ça passe. Allez, 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 allez. Oh, belle. 7-6, 7-6. Merci Max pour le deuxième mois. Merci SkyRS pour le quatrième. 1h28. Deuxième set qui a été beaucoup plus long. Un 48 minutes éprouvant. Enfin, 10 minutes peut-être. 217 km/h. Il a une moyenne à 185, mais beaucoup de fautes directes de son côté. Nous, ça nous manque un peu d'ace. 6 sur 6 en montée au filet. Lui, il est à 60%. Et juste cette balle de break qui n'a pas été convertie, qui nous a mis mal, qui nous a fait douter. Et au final, dans le tie-break, ça s'est joué au mental. C'est là que ça s'est joué. Maintenant, il faut savoir si Roger Pablito a ce qu'il faut pour aller chercher ce troisième set. Les jeux sont chiants, mais les tie-breaks... Oh, elle est magnifique. Oh non, quel grand con. C'est pas grave. On l'aime quand même. Voilà, on l'aime quand même, ce qui se rapproche. 50 services. Ouais, il stresse de ouf en face. Mais non, c'est en fait, les jeux sont chiants parce que là, c'est deux gros serveurs. Et c'est Wimbledon. Du coup, bah ouais, forcément, le tie-break sont cool parce que c'est ouf, magnifique. Comme c'est genre un service puis deux services chacun, forcément, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus close. Oh, deux balles de break. Il est en craquage. Il est en full stress en face. Il est en full stress. C'est deux balles de break, hein, messieurs, dames. Bon le con quand même. Oh l'enculé. Ah oh, putain, et on craque derrière. T'as pas une autre surface? Bah, c'est Wimbledon quoi, je sais pas comment te... Ouf. On a fait Roland Garros juste avant. Oh le lob. Oh le lob. Oh le lob tenté, c'est bon.
C'est le premier lob réussi, je crois que j'ai fait. Il le fait en finale à Wimbledon. Avant, c'est chiant un peu. Mais nique ta mère, pardon, mais je sais pas comment te le dire, quoi, putain. Ça pute ou quoi? Ça fait 10 ans que je joue à ce jeu, maintenant. Je suis en finale. Incroyable. Excusez-moi, la craquage, mais il y a un moment où... Infernal. Le mec, je l'ai vu, là, on a pris des 6-0, 6-0 toute ma vie. Maintenant que je suis en finale de Grand Chelem, t'inquiète pas que je vais bien kiffer, hein. Excusez-moi pour ce petit craquage. Petit dérapage. C'est le stress. On va se reconcentrer sur Roger. Oh, putain. Attention au break, hein, quand même. Heureusement, derrière l'ace à chaque fois. Oh là, deux balles de break. Oh là, tu vois, c'est l'autre là. C'est l'autre qui nous a mis une sale ambiance, il l'a stressé là. C'est sûr. Qu'il y aille à son temps, tranquille. Voilà, tu ça l'a stressé, putain. Game player two. On se fait breaker. Hein. Là, c'est la merde. Hein. Première fois qu'il y a un break dans le match. Hein. Que ça a l'air d'inquiéter que moi. 40-30, c'est encore jouable. Allez, sur une deuxième balle, peut-être. Un des breaks. Un espoir de débreak. Faut marquer ce point pour ça. Oui, il est marqué. Il est marqué. Je sens qu'il peut le faire. Le chat demande le ban. Je sais même plus comment il s'appelle, c'est pas. Tu fais encore ce que tu veux, merde. Oui, oui, mais tout le monde l'a pas compris encore. Mais c'est normal. Twitch grandit, c'est pour ça. Bon, on s'est fait breaker là, c'est de toute façon, faut assurer maintenant les services. Pff, ouais, c'est assuré, hein, putain. Non, mais je sens que, ouais, il me l'a tué là. Il m'a tué mon joueur, putain. Oh, et l'autre, ça l'a boosté de ouf. Deux balles de jeu. Oh, la petite balle. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour changer. Abandonne le set. J'ai envie de tenter, on peut encore le breaker, je sens. Si 18% des gens lâchent leur prime, ça nous fait 3000 subs et ton record. 18%, ça fait beaucoup. Hein. Mais j'avoue, putain, vous êtes beaucoup, là. Il est en stress, ouais, les deux sont en stress. Allez, pas de break, pas de break. On a encore une chance de pouvoir le gagner, celui-là. Magnifique. Magnifique. Ça va jouer sur ce service-là. Oh, c'est jeu blanc. On va baisser l'énergie, je pense. En même temps, on peut peut-être tenter. Monsieur Max, merci pour le prime. Bienvenue. Je pense qu'on va laisser le 7. Hein. En même temps. Alors, vas-y, on passe le 7. Juste pour un jeu, mais c'est pas grave. Vu que là, on est dans la merde en énergie. Lui, il est vraiment bien. Lui, il est vraiment bien, le bâtard. Rien que pour ce jeu, ça nous fait gagner. T'as plus de match après. Non, non, mais c'est pour les deux sets d'après, quoi. Parce que là, potentiellement, il n'y a jamais eu de break, tu vois, 7-6, 7-6. Moi, il me reste un set à marquer, quoi. Lui, il doit finir celui-là et en mettre deux derrière. Donc là, c'est un match au mental. Donc là, je préfère y aller tranquille sur cette fin de set, me reposer un peu en me disant, moi, je suis là sur le quatrième. Mais après, on est là déjà sur celui-là. Hein. Jure, c'est la finale. Bien sûr que c'est la finale, mon pote. Mais il joue mieux quand il est à 50%. Mais il joue mieux quand il est à 50%, le gars. Elk. Elkwan. Merci pour le prime. Ouais, toi, il va me lâcher des... Ouais, voilà, il va me lâcher des grandes sessions d'Ace, là. Sort, ça sort. On appelle ça la strat Gaël, mon fils. Finalement, tu perds les deux autres, après. Navdrag. Merci pour le resub. J'ai pris un... D'accord. Là, je me suis fait... Allez. On est parti, 4ème set. 7-6, 7-6, 4-6. Ça sort, ça? Faut faire attention au break, maintenant. On le sait, voilà, c'est bien, ça. Direct, on lui manque qui on est. Allez, un jeu blanc d'entrée, là, ferait beaucoup de bien. Voilà, tiens, mange, là. Essaye de monter à la volée, quoi qu'il se passe, là. Game player one. Allez, faut aller le chercher sur des points. Faut aller le chercher sur des points. Oh non. Putain, il tape si fort, le con. Boum, boum, boum. C'est ça qu'on veut voir.
Je mets 20% d'attaque. Dans les pieds. Une petite classique dans les pieds, 30A. Il est dangereux ce jeu de service. Hein. Il est très dangereux pour lui. Beaucoup de stress. Oh, mais putain, mais 20 000 ace aussi. Oh voilà. Ah, c'est que la cage max. Hein. Oh, il met une amortie là-dessus. Oh la petite tentative de balle dans la tête là. Tiens, chais. Allez, 3 balles de jeu. Allez, boum, moi aussi je te mets la même. Hein. Je te la mets à gauche, je te la mets à droite. J'ai trompé de carré, mon pote. C'est maintenant. 0-15. Allez, 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 cours, cours, cours. Non, oh, mais il la claque bien. Il la claque bien, vraiment. Pas grand chose à dire. Tu vois, notre énergie est bien montée, du coup. Ah, oh, mais il met, il met. Oh putain, ça sort, mais c'est pas loin à chaque fois. Ah, hein. Oh, c'est dommage, on a voulu être trop agressif là-dessus. Lorelem, merci pour le prime. Le match Isner Del Potro, c'est vraiment ça. Oh là, ça sort. 40-30. Pas d'ace, juste pas d'ace, pas d'ace, pas d'ace. Oui, dans les pieds. Allez, pas d'ace à nouveau, pas d'ace à nouveau là-dessus. C'est bon ça, c'est bon, c'est bon ça. Dans les pieds. Oui, bien. Aborte. Oh non, ça sort. Oh dommage. C'était bien joué, mais il me l'a mis, j'ai rien pu faire. Ça sert à quoi l'explosion rouge à gauche? Parce qu'on est dopé là. Oh l'enculé. De partout. Au moins que je perde pas mes jeux de service. Allez, petit service volé ici. Très agressif. Bien puni. Allez, 45. Solide. 3-2. Oh la vache, brutasse le gars. Oh non, le contre-pied il marche jamais, mon pote. Ça kitsch. Merci pour le troisième mois. Oh la vache. C'est genre. Allez, 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 allez. Oh dommage, il se bat tellement en plus. 45. Ah, il est trop fort. Service volé et tout, il est trop fort. Game player 2. Vraiment. Zaporkis, merci pour le prime. Bienvenue à toi. Oh la petite balle. Elle est belle. 15-0. Allez, 40-0, c'est un jeu blanc là. Allez, viens au tie-break, viens me chercher au tie-break, mon pote. Viens me chercher maintenant. Mais deux fois que tu les perds, tu vas perdre le troisième. 50 service. Ah, dommage. Mauvaise décale, 40-30 quand même. Hein. Oh, il me lâche un ace encore, c'est le 33ème. Oh, le court croisé. Oh, il est... Ah, ça, par contre, c'était un geste incroyable. Hein. Arrête de parler, on va se faire karma. Ouais. Il y a tellement de gens qui doivent attendre la fin du match avant d'aller se coucher là, il doit être minuit 15. Vous êtes 9000 putain, vous êtes 9000 à regarder ça, c'est fou. Let's go, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore un jeu blanc là, encore un jeu blanc qui fait du bien au mental. Hypothèque, merci pour le deuxième mois. Oui, tellement beau. Allez, gauche, 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 full. Oh, là, non, mais. Bon, d'ailleurs, on se fait ace la gueule, mais. C'était tellement beau! Ah, t'es sur la balle. Oh, le passing est beau. Ouvert, ouvert! Non, pas sur lui! C'est con! Quand il y a tout l'espace là-bas. Oh, Fafaf qui lâche son prime, il n'en pouvait plus trop. Pff, derrière, c'est un passing. Eh, si ça break, c'est fini. Hein. Si on break là-dessus, c'est le match. Hein. Oh, il est chaud quand même, hein, il se défend. 45, Cambras, merci aussi pour le prime. Oh, il est... Oh, dommage. Roger, il y a du skill, mais le cerveau... Allez, 15-0, ça commence bien. 40-0, c'est bon, ça, c'est un jeu blanc. C'est un jeu blanc, c'est un jeu blanc, mon pote. 6-5, on vient de chercher jusqu'au bout. T'as bien intérêt. Stresse bien ta race, stresse bien ta race, toi. Magnifique, magnifique le retour, le passing, magnifique. 0-15. Allez, c'est maintenant. Ça sort. Oh, let's go. 0-30. Dans les pieds. Ça sort 0-43 balles de match. First service. Second service. Encore deux balles.
Pas d'ace, pas d'ace, c'est bien. Contre-pied. C'est gagné. 7-6, 7-6, 4-6, 7-5. Et devant, presque 9000 viewers, Roger Pablito soulève son premier grand chelem. Oh là là, mais quel crack. Oh, j'ai le cœur qui bat. Enfin, normal ça, mais pas mal quoi, c'est fort. Oh, quel king. Quel king ce Roger Pablito. Putain, on a gagné un grand chelem, on a gagné Wimbledon. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis quel soulevé de coupe, hein, vraiment, c'est sublime, c'est sublime, voilà, c'est pompé l'op, hein, c'est pas de budget, pas de matos. Ah, oh, c'est un soulevé de coupe qui restera dans les annales ici. Je pourrais dire à mes gamins que j'y étais. Prime du sponsor. Ah bah j'espère bien avoir une prime, ouais. Vous venez juste d'atteindre l'objectif fixé par votre sponsor, Starflip Coffee. On était encore un peu flingués. Mec, j'ai gagné. J'ai eu 2000 points techniques. Attendez, je veux savoir combien je suis mondial, semaine suivante. Vous avez atteint le top 20 en simple, je suis combien? Je suis 14e mondial. J'ai 1,8 million. J'ai 1,8 million. Mais... Oh! Il fout les nerfs, le type en face, il éclata par ses volets, de la chance de tomber contre lui en finale. Tu verras quand tu tomberas contre Nodal ou Fidiré, ils sont imbattables, ils t'envoient parpaing sur parpaing, c'est du jamais vu. Mais RK, là, tu nous fais quoi, là, avec ce don, là? Tu nous fais un tweet d'après-match où t'es pas content que Nadal ait gagné un grand chelem ou quoi, là? Qu'est-ce qui t'arrive? 500 000 de taxes, mais... From moins 20K, tout 1,8 million. Oh là 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 là. Je suis top 15. C'est fou. Mais mon pote, je te ramène en première, je te ramène en 5 étoiles. On doit aller à Stuttgart, là? Oh non. On a... Je t'aide de... Oh non, 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 non. Je peux pas abandonner, là. Oh, je fais un TET 250 maintenant, mais j'ai pas que ça à foutre, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais les gars, je suis millionnaire, là. Laissez-le partir une semaine en vacances. Il vient de gagner un truc... On fait match textuel, hein. Vas-y, repose-toi full, mon pote, repose-toi full, hein. Ah, rien à foutre, hein, tu peux... Oh, j'ai fait match 3D, le chien. Le chien de mes morts. Tu vas savoir, je vais les fumer, c'est de la terre. On va se mettre que les balles de break, hein. On va se le faire en accéléré, celui-là, hein. Ah, mais je vais le 6-0. On se met les balles de 7, vous savez quoi? 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, balle de 7. Ah, je suis... On se met en balle de 7, on se met en balle de 7. Non mais attendez, laissez-le faire la teuf avec ses potes là. Il va pas nous faire chier lui, on joue contre qui là? On joue contre Gasquet ou quoi là? C'est qui le mec en face là? Hey, Gustavo Kuerten, il a repris le tennis là, ça y est, c'est bon. On verra demain, on est reparti. Hey, on a vu Neymar sur Instagram, on s'est chauffé. Énergie à whoop des... Qu'est-ce qui se passe là? Bon, si... 3-2... 3-3 quand même, 4-3, 4-4, 5-4... Allez, balle de match, 3 balles de match. Allez, Guga, là. Ah, il faut partir, Guga, hein. 72 ans, là, ça commence à faire... Hein. Ah, on t'aimait, mais... Ok, très bien, ça. Il va nous faire chier jusqu'au bout, là, le mec. Putain, mais je m'étais... C'est vrai que j'... En fait, j'ai fait... Mais j'ai pas fait exprès de faire Wimbledon. Oh là là, l'enfer. Et comme j'ai pas... Oh non, mais ça sort, ça. Et comme j'ai pas fait exprès, bah du coup, je m'étais inscrit à d'autres trucs, quoi. Il a déjà fait Roland-Garros, mais Roland-Garros, on a passé un tour. On a gagné Wimbledon. Allez, fume-le. Ouais, c'est bon, c'est qu'un 2-7 gagnant. C'est bon, c'est fini, ouais. On va se faire du textuel, hein. Quart de finale. Ah oui, c'est un petit tournoi en plus. Roger Venech. C'est qui ces joueurs? Attends, je me repose un peu là. Ah ça y est, je suis en... La belle histoire pour les médias. Ah, oh, c'est un match textuel. Hein. Oh, ça démarre le match. Hein. Je t'en voudrais pas, mon pote. Hein. Oh, c'est breaké. Oh, c'est double breaké. Oh, c'est breaké. Oh, c'est fini. 6-2, 6-3. Demi-finale de Stuttgart.
Hop, 2 heures de repos. Je crois qu'il a un tournoi après encore. Non, mais là, on est en train de... C'est de l'esclavagisme, là. Oh, je me suis fait breaker. Oh non. Ah, il m'a breaké à nouveau. Oh, il me fume. Ah bah, je suis fini. 6-3, 6-3, demi-finale. Ah, c'est pas grave. Laissez-le juste vivre. Il rentre en première classe. Laissez-le. Leave Roger Pablito alone. On peut pas tout gagner. 14e, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 14e, c'est très bien. Il n'y avait pas besoin de tout gagner tout le temps. Je dois aller à Hambourg. Oh putain, on s'en sort plus. Non, on s'en sort plus, là. On s'est fait tous les tournois de merde, là. Oh non, mais on s'est inscrit à tous les tournois du monde, putain. On se fait que du textuel. 12 heures d'entraînement. Mais moi, mon pote, 12 heures d'entraînement, mais je me les mets... Je me fais 6 heures de sprint, 6 heures de sommeil. Voilà ce que je me fais, moi. Ah, c'est du match textuel, hein. C'est pas grave si on perd. Ah bah, je me suis fait... Oui, c'est beau, ça. C'est moins beau. Bon, 6-4, 2-6, 6-2. Ah ouais, on rentre. Laissez-le tranquille. Il a plus besoin de tournoi. On en est où, là? Planning. Voilà, c'est bon, c'est fini, là. Allez, on aura... Dans 6 semaines, on a... Oh, on a l'US Open dans 6 semaines. Textuel, ouais, textuel, c'est un peu bancal. Dans 6 semaines, on a l'US Open. Non, mais là, je vais lui embaucher des coachs et tout. Hein. Le classement a baissé, non? Ouais, peut-être. Je suis 14e, toujours. C'est incroyable, quand même. Hein. Putain, premier, quoi. Oh, le top... Oh, ça a fait trop plaisir, là. J'ai perdu 700k. Ah bon? Quand même pas, non? 700k? Non, mais je vais diminuer le lift. Hein. Je diminue le lift. Modifie ton centre d'entraînement. Oh, mais je vais faire tellement de trucs. Mais attendez, je vais acheter des trucs. J'achète un spa de luxe. Oh non, c'est 250 000. Le bâtiment requis. Ah, il faut un spa déjà. Ah bah ouais. Centre de fitness. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous avez besoin de 12 000 dollars en plus. Ah bon? Un petit centre de fitness, il a le droit quand même d'aller à la muscu, le mec. Ah, mais c'est 2 millions, là. Oh non, mais attendez, je vais acheter... Je vais acheter un cours en herbe, déjà. J'ai un cours en herbe. Cash du coach. Ah, mais c'est moi qui dois mettre les sous? En béton poreux. Terre battue verte. Ah, c'est le cash du coach. Ah, mais il me fait pas croquer, le bâtard. Ah, il est en mode... Ah ouais, ok, d'accord. Oh, il y a des mecs... Il y a full mec top 16 et tout qui veulent que je les coach. Les gars, désolé, moi, je suis que sur Roger Pablito, je... Je suis désolé, ça m'intéresse pas. Je prends 10%. Désolé les gars, mais... Ah, c'est pour ça que t'es obligé, limite. Ah bah, on va moins faire de vol business et tout, hein. Ah non, mais déjà, je vais embaucher la crème de la crème. Expert vieillissement. Aging spécialiste. Lower the effect of getting old. Mais on n'est pas là-dedans, nous. Lui, là. 4000 balles la semaine. Marco, là. Marco, il va nous train. Le vol business, c'est la thune du joueur. Super bien, ouais. Pas se foutre de ma gueule longtemps, hein, le Roger Pablo. Hein. Moi, je l'ai connu, je peux te dire qu'il faisait pas le malin. Hein. Et pas de match jusqu'à l'US Open. Hein. C'est semaine 35. Je t'en fous pour les vols, c'est avec ces thunes. Ok, parfait. Bon, faut que je mette un peu là-dedans, là. Confiance en soi? Mec, t'es que en motivation moyenne après avoir... T'es que en confiance en soi moyenne, là. On vient de gagner quand même un Wimbledon, grand chelem. En fait, je vais juste baisser le livre de ouf. Faut que je traîne la force aussi. Le truc, c'est que là, je suis en train de tout perdre sinon.
Nazy, Maspo, 3ème mois, Baobab, 6ème mois. Tournoi obligatoire. Vous devez participer à un tournoi. Tournoi de Montréal. Ah, c'est les Masters. Ah non, je le fais pas, je suis fatigué là. Fatigué. Ma gueule ou quoi, lui ? Elle me laissait tranquille aussi un moment. J'ai remis du lift. Je crois. Quel gros chien. Non, ok, ça va. Retour, on met 6 heures. 6 heures de contre. 4 heures de sommeil. J'aime ce. Cincinnati. Ah, mais du coup, je dois perdre full en classement. Oh, je suis 13ème, j'ai gagné une place. Incroyable. C'est méga choke ou. Un mec qui est mort. La volée, c'est pour quand? C'est vrai ça. Passing, il faut que je traîne. Hein. Je pense que passing était un vrai objectif. On va bien évidemment continuer à s'entraîner au service. Sans le service, bien sûr, je me demande ce qu'on ferait. Et un peu de volée derrière. Par contre, faut qu'il dorme un peu. Ah ouais, on a manqué, on se prépare pour les autres, là. Précision, Domi. Précision de quoi? De service? Je te mets deux. Ah, ici? Bien vu. Bien vu, ça. Bien vu, les potes. Je suis passé 13ème. Ouais, j'ai vu. Je suis pas passé du... Positif, hein, mais... Les sponsors. Qu'est-ce qu'ils ont, les sponsors? J'ai pas le droit de m'entraîner? Je suis pas mal, là, en vrai. Là, je suis quand même pas mal du tout, hein. C'est vrai qu'il fallait que je me repose, là. Oh la merde. Ah ouais, là, il va être mal, là. Bon, allez, on se fait l'US Open. Et ensuite, je vous laisse. Il me reste 1 million. Oh là là, mais là, mec. Je suis 13ème tête de série, hein. Genre... Oh, il y a 10 bats. 10 bats, je crois que je l'ai déjà joué. Je sais pas pourquoi je l'avais... Oh, 10 bats, il est chaud, hein. Yann 10 bats, là. Perdu 2 places. Non, je suis 13ème. J'étais 14, je crois. Tu viens de terminer ton contrat. Ah, j'aurais pu prendre un autre truc. 117ème. Ah, vous moquez pas de lui, les gars. On est passé par là aussi, hein. Je sais que ça vous fait doucement rigoler, maintenant, mais... Il est où, Louis Xav? C'est vrai que le Louis Xav, on l'entend moins. Bon, allez, on est parti. Premier tour de l'US Open. Ah, mais en fait, j'ai jamais joué sur dur. Non, c'est rapide, ça, non? J'ai vraiment envie de baisser mon livre de ouf, hein. Oui, tes stats ont baissé, non? Bah, en fait, c'est ça le souci, c'est que t'es obligé de t'entraîner, quoi. Si tu fais que game, tu prends de l'XP, mais tu t'entraînes pas. Ouais, déjà une balle de break. Ouais, c'est l'expérience là qui va parler. Dans ces moments, premier tour de Grand Chelem. Nous qui avons déjà gagné un Grand Chelem, hein, je rappelle bien évidemment. Vraiment, hein. Voilà, tous ces joueurs débutants, nous sommes des vainqueurs de Grand Chelem. On met les balles de break pour voir ce qui se passe. On a déjà breaké une fois, de toute façon, ça va être dur de breaker plus, je pense. On est en balle de break. Deux balles de break, ça sort. Allez, un 7-0. Je vais baisser un peu l'énergie, 75%. Ah d'accord, 3 balles de break. De toute façon, il va nous falloir de l'entraînement aussi. Hein. Au bout d'un moment, on peut pas non plus être en mode... Oh, à la volée. C'est beau, ça. Et si je mets genre 20% d'attaque et 20% de montée au filet maintenant que j'ai train. Oh là là. Oh non. Oh, ça joue. Je vais être monstrueux. Allez, direct, c'est une balle de break, ça.
pourquoi parfois je, en m'entraînant je perds de la forme et parfois j'en gagne. Parce qu'en fait tous les 6 heures, t'as genre sommeil quoi en fait, t'as la nuit quoi. Allez, encore une balle de break. Là c'est un stomp. On va baisser l'énergie. Il a finalement réussi à le mettre. Nouvelle balle de break. C'est un let. Une let plutôt. Ça sort. Ouais, c'est bon ça. Balle de 7. Le 7 est remporté. 6-3, 6-1. Les premiers tours, de toute façon, on se les met en... On se les met en rapido, comme ça. On est 14e mondial, putain, c'est fou. Oh, par contre, ça fait chier, ça, de faire ses erreurs. Hein. Allez, encore 2 balles de break. 6-3, 6-1. 6-3, 6-1, 6-2 ou 6-3 ferait plaisir. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Encore une balle. Il a pas bougé. Encore une balle de break, là. 13e, 13e même, ouais. Là, il se défend, l'autre, hein, 10 battes, là. Mais je sais plus où on l'avait vu, le 10 battes, là. Oh, c'est beau. Je sais que je l'avais vu, mais... Non, c'est moche, ça. Je suis pas entraîné encore au filaire. Je vais mettre 10%. T'es toujours pas si ouf au filet. Bah, en vrai, j'ai pas beaucoup train, hein. Ah, y a une balle de break, là, pour lui. Ouais, c'est un joueur, hein, quand même. Hein. Oh, c'est beau, ça. Oh, quelle honte. Oh, je dois me taper un set de plus, quoi. Oh là là, je dois me taper un set de plus. 6-3, 6-1, 3-6. Il va me sortir. Il t'avait sorti à Roland-Garros. Non, j'y avais marqué 0-0. En affrontement. Je suis en situation de balle de break. Attendez, je vais remettre de l'énergie, là, parce que... Attends, là, on est pas bien, là. Pas non plus faire tège, là. Voilà, prends ça, toi. Tu vas voir qui je suis, moi. On est là, on conserve l'énergie. En train de se faire fumer. Il est chaud. Encore une balle de break. Encore moins de lift, hein. Meilleur volet, encore moins de lift et on est champion du monde. Magnifique. Allez, balle de match ici. C'est beau. Allez, c'est beau. 6-3, 6-1, 3-6, 7-5. Un peu plus difficile qu'on aurait espéré. Mais c'est comme ça. Et on passe au deuxième tour. Contre Kobolira. Joueur inconnu de nos côtés, je pense vous. Vous avez peut-être... Zéro stress now. Ah non, mais là, on est des vrais joueurs maintenant. Ah, c'est incroyable quand même, la progression. Je veux qu'on joue contre Louis Xav. Tu m'étonnes, on va aller chercher Louis Xav. T'as gagné Wimbledon? Ouais. On a gagné Wimbledon, ouais. Chose incroyable au passage. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Déjà 3 balles de break. On arrive, c'est lui qui sert, il a pas mis un point. Mais l'autre, bat là, était vraiment incroyable, hein, j'ai l'impression. Là, juste, on fait partie du top 20, en fait, les gars, là. Là, on est un joueur top 20, quoi. Avec le niveau qui a aussi, quoi. Bon, pas à la volée encore, hein, mais... Sur le reste, on est mais bouillant. On va baisser à 75% l'énergie. Allez, 2 balles de 7. Juste moins de lift. Hein. Moins de... Oh, ça court. Je la remets. Non. Mais quel héros. Quel point. Mais quel point. 6-1, mais quel point, putain. Et direct une balle de break. Oh, ça sort, dommage. Je sens qu'il a de l'envie en face. Forcément, en tant que coach, je le remarque, je le vois, quoi. Ah, ça m'avait manqué, ce jeu. C'est cool, on a une bonne progression, comme on a mis en pro, en fait. À un moment, c'était limite trop facile en junior, on est passé pro, et du coup, c'est cool d'avoir eu des difficultés quand même, mais en même temps, là, on grimpe, tu vois. C'est plaisant, putain. Parce que là, on va peut-être pas refaire victoire, hein. On va pas faire 2 grands chelems d'affilée, je pense, les potes. Hein. On va se faire calmer par un gars qui va nous faire vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. On peut pas faire que du service. J'ai combien d'énergie, là? Je suis à 100%. Oh, c'est magnifique, ça. Oh, ça sort. 47 minutes.
Et pour l'instant, au deuxième tour de l'US Open, c'est Roger Pablito sur Kobolira qui mène 6-1, 6-1. On est en train d'attaquer ce troisième set et comme d'habitude, hein, ici dans le Queens, grosse chaleur. On voit les gens avec beaucoup de bouteilles d'eau, hein, des bobs qui sont distribués. Déjà 35 degrés, certains matchs ont dû être interrompus. Notamment pour le cours, hein, pour la sécheresse. Hein, on avait vu, hein, l'an dernier quelques craquements de terrain. Chose rare, mais c'est arrivé sur le cours 12. Le 11 qui avait été refait en plus, hein, magnifique. Nouveau cépage. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. C'est dans le Queens, non, l'US Open, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'étais allé, c'était cool. Géo, merci pour le resub, économie d'énergie. Bah, en vrai, après, je suis bien là, mais... Un cépage. On dirait que le Queens comme vraie info. Le Queens c'est un 500 sur gazon. Le Queens égale herbe. Messieurs dames, US Open. Il a lieu où? C'est à New York dans le Queens. Attends. Parce que je me suis trop engagé là-dessus là. Flushing Meadow. Flushing. Il déménage ensuite au sein du West Side Tennis Club. Eh, un quartier de l'arrondissement de Queens à New York. Les gars, si vous voulez des bonnes adresses à New York, ou dans ce qu'on appelle les States, n'hésitez pas, vous m'appelez. Je donne 2-3 numéros, notamment de ce bon vieux Rob. Il pourra vous emmener faire une bonne vieille balade. Avec sa Harley. Ouais. Ah, parce qu'il y a un tournoi aussi en Angleterre qui s'appelle le Queens. Ouh. Ah, c'est le truc avant... 15. Non, relis le wiki. Je parle comme Jiraya. Ouais, c'est trop chiant ce truc-là de Gigi Zank et tout, tu sais, qui sont mis à parler comme ça et... Oh, par contre, ça fait bosser, là. Game player 2. Je te break, là. Ah, on va remettre un peu d'énergie, hein. Et Gwen, c'est là qu'il y a la finale de Fortnite. Ah, putain, c'est là-bas. Mais par contre, enfin, c'est pas un stade, quoi. Enfin, j'ai jamais vu le central parce que j'étais allé à l'US Open avec mes parents quand j'étais allé il y a peut-être 10 ans. Et tu sais, du coup, c'était trop cool. On avait fait les terrains. Non, je crois que c'était pendant les juniors. Oh, c'était ça. J'avais fait pendant les juniors. Mais par contre, du coup, c'est plein de terrains, quoi. C'est comme Roland Garros. C'est pas impressionnant, non? Arrête déco, tu te fais soulever, ouais. Enfin, ouais, voilà, quand même. Ah, le fait d'avoir remis un peu d'énergie, on va rester à 75, hein, quand même. Tu te fais breaker, ouais, j'ai vu. Je raconte ma vie là. Voilà, c'est bon. Débreaké, rebreaké même, si je peux m'exprimer ainsi. Tu as vu la vidéo de Jaya, il parle de toi. J'ai pas vu le truc avec Xari et tout là. Il fait plein de vidéos en ce moment, c'est trop bien. Il s'est tapé une déter là de stream et tout un peu. C'est lourd. C'est en même temps les grands chelems juniors. Ah ouais? Non, c'est un peu avant, c'est genre la semaine d'avant, non? Où je dis full merde, j'ai... Ah, peut-être qu'il y avait les pros. J'ai pas l'impression qu'on avait des places pour ça. Je sais plus. 50 service. Regarde le stade, on va regarder, attendez. Je suis au deuxième tour, là, de l'US Open. Pour l'instant, on est très très bien. On est d'ailleurs sur des balles de match, là. Boum. Quand je vais plus avoir de lift, là... Faut que j'ai un lift à 20%. Si j'ai 20% de lift, voilà, je vais mettre que des coups comme ça. 6-1, 6-1, 6-3. Non, les juniors, c'est la deuxième semaine. Bon, bah... C'est... Ah, peut-être les qualifs, alors. C'était peut-être les qualifs. Bon, je sais plus ce que j'ai fait, mais je sais que c'était pas le vrai tournoi, tu vois. 22 500 places, le central. Et c'est quoi, du coup? Là où il y aura lieu les World Fortnite... Endroit. Arthur H. Bonsoir. Ah oui, quand même. Ouais, mais tu vois, pour Fortnite, je sais pas si... J'ai tapé en droit. J'ai dit quoi? Place demi. Vas-y, bon, je l'ai, là. J'ai dit en droit, pourquoi? Je me souviens plus. Il y a un toit, maintenant. Ouais, mais tu vois, ils vont faire quoi, là, du coup? Ils vont...
Ah, World Fortnite endroit, j'ai tapé, putain, merde. C'est vrai que... Oh, je joue team. Si je gagne là contre Ching... Oh, Manu, tu t'es pas foulé sur les noms. Hein. Mais si je gagne contre Ching, je joue team. C'est un vrai joueur, ça doit être un vrai joueur, 100%. C'est Xiong. C'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur. Confiance en soi, c'est un vrai mec. Oui, non, je sais, mais je parlais de du changement de lettre qu'il a fait. Alors, match suivant. On est au troisième tour. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Il a le maillot de la Team Pax. Comment ça? Il a le maillot de la Team Pax? Mais c'est mon frérot, en plus. Pourquoi il a le maillot de la Team Pax? C'est dingue. On sponsorise jusque-là. C'est fou, ça. J'aime bien ce petit coréen, là. 25 ans, 19e mondial. Je t'en aurais envoyé un, Ching. Mais c'est gentil de l'avoir acheté. Utilise la puissance de l'adversaire pour le déborder. C'est ce qu'on va voir, mon pote. C'est très clairement ce qu'on va voir. Sur son coup droit. Il a un sale coup droit, mais très régulier, quoi. Allez, on est parti. 15, allez, troisième tour, ça commence à jouer. Là, on joue dans le top 20, là. Après, j'ai un vrai jeu de service, moi. Eh, je rigole pas. Hein. Je suis pas du tout là pour rigoler. Hein. Bon, lui non plus. Ça tombe bien. Moi non plus. Lui non plus. Il monte à la volée, lui. Il nous fait à la volée, là. Ah, il claque, hein, quand même, son service. Hein. On est sur un jeu blanc, là, presque. Hein. Oh, ce mouvement de poignet. Oh, ce mouvement... Oh, la vache, il est bon, le con. Bon, après, on a nos... Allez, tiens. On a nos jeux de service encore. Oh là là, passing là, comme ça, est pas ouf ce qu'on a fait. Oh, on n'a pas pu train depuis Wimbledon. Hein. Oh, c'est joli ça. On a juste gagné quoi. Allez, 3 balles de break là. 3 balles de 7 même. On va en concrétiser une, ça sort. Allez, 6-4 dans le premier set. 13 points gagnants. 4 fautes directes, ça fait très plaisir. Faute provoquée 3. C'est très plaisant. Tu galères toujours à breaker. Ouais, on va augmenter le retour aussi, ouais, j'avoue. Bien vu ça. Allez, déjà une balle de break. On a quelqu'un là qui est en train de craquer 93% de force. Forme, moi je suis à 99. On a quelqu'un qui est en train de craquer là après ce premier set. Ah, gros craquage, encore une balle de break. En même temps là, il a le maillot de la Team Pax quoi, tu vois. Il est en situation de supériorité quand il voit le... Quand il voit Roger, le boss. Il a un beau revers par contre. Hein. J'aime bien son revers coup de fusil. Hein. Boum, boum, boum. Oh, c'est dur en même temps de mettre boum quand c'est sur la ligne. Hein. Magnifique, magnifique. C'est très beau tennis. Hein. Oh, c'est beau ça. Oh là là, il est bon. Oh, les coups de fusil 6-4, 6-1. Là. C'est incroyable quand même les coups de fusil que je mets. Lui aussi en met 2-3. Hein. Quel tour là, on est au troisième tour là. Je mets une balle de break. Ça break. Ça peut breaker. C'est magnifique. En vrai c'est magnifique. Là je pensais qu'il aurait pu l'avoir mais ça va rebreaker. 50 service. 3 balles de break ici, c'est le trou, Ching qui tient pas. On va servir pour le match, 2 balles de match ici, pour aller en 8ème de finale j'imagine. 6-4, 6-1, 6-2, et on sort le 18ème. On sort le 19ème mondial. Dan Olsan, putain, Team qui a perdu.
Dan Olsen, on l'a déjà joué. Il y a 2-0 pour moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Après, il est à la maison. Hein. Il est aux États-Unis. Hein. Tim, hein. Je sais pas ce qui se passe, Tim. Tim, attention, hein. J'arrive pour ton... Je vais clairement te voler ta place, là, mon pote. Hein. Ah, on est parti, Dan Olsen. Boost XP, pas besoin, je pense, pas besoin. Je l'avais déjà joué. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Déjà une balle de break ici. Gros service quand même. Hein. Gros service ici qui nous claque. Il jouait chelou là. Vous connaissez Ah putain, je sais pas comment il s'appelle. Faut que je vous montre. Je suis tombé sur le match entre lui et mon fils sur YouTube. Un Renoir avec des grandes dreads qui a pas du tout un look pardon de... Vous connaissez Twitch Prime, c'est con. Oui, aussi, Twitch Prime, bien sûr. Braun, ouais, Braun. Dustin Braun, là, l'allemand. Oh, il est trop cool, lui. Il est fort? Enfin, est-ce qu'il est fort en mode, il est combien mondial? Parce qu'il joue genre original. Ça fait du bien. Xary, il en parle souvent. Ah, oh, ça fait trop de bien, ce genre de joueur. Ah, tu m'étonnes, Xary, c'est le but au vidéo YouTube. Éclaté au sol. Ah, il est genre top 50-100. Fort sur gazon, ouais, c'est un gros service et grosse montée à la volée, quoi. 150e. Ah ouais? C'est un showman, ouais, j'avais maté contre mon fils à Roland, justement. Ça fait du bien, tu vois, aussi, de voir ce genre de... Dans le tennis, c'est rare, ce genre de mentalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Non, mais là, on est sur du stomp, là. Il est fun à le regarder jouer, mais très irrégulier. Ouais, tu m'étonnes. Kyrgios, c'est comme mon fils, mais en meilleur. Gros showman. Ah ouais? Putain, mais moi, genre, j'avoue que... Moi, genre, je kiffais le tennis. Bah, à l'époque, Querten, Correa, Grosjean, genre... Dans la maison de mes grands-parents, dans ma chambre, j'ai un poster de Grosjean. Tu vois, à cette époque, je connaissais beaucoup le tennis, tu vois. Même... merde, Marat Safin, tu vois, toujours... Et donc, c'était il y a 10 ans, 15 ans, peut-être. Et j'avoue que, bah, ensuite, il y a eu Monté, Federer, Nadal, Djoko. Genre, j'ai arrêté au moment où Djoko était le bad kid des vestiaires, tu vois. Et... tu vois... Leighton Hewitt, ouais, Roddick, Edman, tous ces mecs-là, quoi. Mais je regardais aussi à ce moment-là. Tu vois, ça a été Nalbandian, putain, vrai bail. Bon, 6-1, on la stompe. Hein. Blake, oh putain, Blake, j'aimais bien aussi. Bah ouais, Virtua Tennis 3, ça a quel âge? Attends, excusez-moi. Désolé, je suis pas trop dans le tournoi, là. Bon, en même temps, notre joueur est si fort. Ah, 2006, hein. 2007, ouais. 2007, c'était il y a 12 ans, ouais, je vois à ça il y a 12 ans. Becker, bah Becker, tu sais, mon père qui fait bien les McEnroe et tout, il me montrait des trucs, tu vois, mais j'étais pas, j'étais trop petit, moi. 94, donc 2007, là, j'avais 13 ans, ouais. C'est le moment, en fait, où j'ai arrêté le tennis à 15-16 ans et après, j'ai eu du mal à m'intéresser, vraiment. Après, j'avoue que en fait, le tennis m'a toujours donné envie de jouer. Bon, on est déjà sur 3 balles de break, là. 50 service. Voilà, boum. Alors, pas pour la même chose à ce tournoi. Ferrero. Qu'est-ce que j'aimais, Ferrero. J'ai envie de voir Ferrero. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai juste envie de voir le visage de Ferrero. J'étais allé le voir, parce qu'en fait, j'allais souvent... Oh non, comment il s'appelait déjà, son prénom? Ah, Juan Carlos. Oh, il était en finale, lui, avant. Il a fait des finales de... Oh, je l'aimais bien, moi. Kalefnikov. Je le kiffais, Ferrero. Genre, Palmarès. Il a fait quand des finales de... Il a fait une finale de Roland-Garros minimum. Il a gagné, ouais, même. Une. Attendez, c'était quand? Simple victoire, une. Et il a fait une autre finale ou pas? Parce que c'est là que j'ai dû aller le voir. International de France, Open d'Australie, US Open. Pourquoi il n'y a pas marqué Roland-Garros? Santoro. Mais il est où? 2003. Ah bah c'est là, tu vois. Ouais, c'est là, je me souviens. Il y avait Soderling aussi, c'était quand Soderling? Il était en finale. Rejoue, merci pour le 6e mois. C'était ces moments-là là, où je jouais, enfin où j'allais souvent voir. Mon père en fait avait des invites via IBM pour Roland-Garros, c'était trop content. Avec ma mère qui kiffait le tennis aussi. 2009. Ah bah je crois que j'ai fait du coup entre 2003 et 2009. Et peut-être avec un ou deux ans, Alex Correa, putain. Quel crack. Uga Querten. Oh là là, putain, les vrais souvenirs, ça. Dès qu'on était petit. Mon entraîneur tennis, c'était le père de Fabrice Santoro. Oh, trop stylé.
Tu joues tennis et tu sais pas que les internationaux de France, c'est Roland Garros. Ah ouais, pour le truc. Oh, je t'avoue que. Si, si. J'ai jamais été. C'est une cam quand même, le tennis. Hein. C'est quand même une cam. Hein. Le moment où. C'est quand même un truc où. Moi, mes potes du tennis parlaient que tennis, ça me gavait quoi. Moi, j'étais jeu vidéo au bout d'un moment. Guillermo Coria. Oh, Paul-Henri Mathieu. Wahé! Wahé! Tchè. Bon, il donne quoi ce match là? Il nous fait même pas plaisir à regarder là. On est vraiment en mode. Et Witch qui fait, ouais, il sortait avec Hénin. Ou avec l'autre là. Kleisters? Je sais plus. C'est... Non, mais j'ai vu que c'était écrit, mais j'ai, genre, je voulais voir le parcours de. Moi j'étais plus Nadal que Federer. Gère ton énergie, c'est vrai. Mais du coup, on jouera jamais Nadal ou Federer, ils sont à la retraite quoi. Là, on est en stomp là. On est en pro en plus. Hein. 6-0. Bah là, on est. Lui, il a battu Tim, mais. On va gagner en fait. Qu'est-ce qui va se passer quoi? 50 service. Voilà, c'est. Je fais être breaké là. Failli. Belle défense, hein. Belle défense, hein. C'est bon aussi, là. d'énergie, toujours plus, t'sais. D'un coup, le mec, ça devient un rat mort. Après, en même temps, je lui mets 6-1, 6-0, quoi. Je vais lui mettre 6-0. Dommage, ça. Allez, tiens. Balle de match. Dommage, ça sort. Ça sort. Non. Contre-pied. Il va falloir jouer sur son revers, là. Oh, bien joué. Accélération et ça sort. 6-1, 6-0, 6-0. Pff, non, mais là, on est des habitués des grands chelems. Là, on est en quart de finale. Y'a pas un moment où on va se faire froisser un peu, là? On joue contre le 58e. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses lunettes, là? Joao Pedro. Y'a pas un niveau plus haut que pro. Ouais, bah, au bout d'un moment, le but est quand même aussi de... De perf quoi, je t'avoue que là on est monté. Y'a Louis Xav? Y'a Louis Xav? Non, je vous crois pas. Déjà, il est où Louis Xav? Y'a vraiment Louis Xav? Ah, je peux plus revenir avant. On va devoir voir après. Oh, si on rejoue Louis Xav! Oh, si on rejoue notre rival! C'est ouf. Bon, là, on joue contre un Brésilien qui s'est qualifié. Du coup, ça s'annonce peut-être qu'il va pas être fou. Oula. Attends, si on fait... Déjà une balle de break, là? Allez, faut se concentrer, là, quand même. Hein. On est en quart, là. Hein. Voilà, monsieur. Voilà, un peu de... Oula, là, un peu de focus, là. On a combien d'énergie? 100. Et lui? 91. Ouais, il est cramé, en plus. Voilà, c'est bien, ça. Oh non, mais mec! Encore une balle de break, là. C'est le premier jeu, hein. 6 minutes, le premier jeu. Il joue, le con, lui. J'ai pas vu ce qu'il était. Quoi, c'est un mec polyvalent? Qu'est-ce qui se passe? Encore une balle de break? C'est défendu. Arrivé, là. Ah merde, j'ai gagné, j'ai pas vu. 45. Attendez, parce que là, on va le... Alors, le bouger, lui, là, parce que... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Pourquoi tu joues Dimitrov? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Ah, avec les services qui rentrent pas, là. Sors pas. Allez, pas de break, hein. C'est bon. Je vois pas les points, du coup, je suis trop con de faire ça. Mais il a l'air imprenable en service, alors que pas tant que ça, mais... Deux balles de break. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Stop, monter au filet. Ouais, je pense que je vais lui dire. Et je viens de lui dire, en plus. Amélie Mauresmo. Oh
On va peut-être te boost XP, hein. Petit boost d'XP. Voilà, qui me bien. Il m'a breaké, hein, donc, hein. Allez, on a train le passing, là, putain. On se fait bouger comme ça, là? Et on y peut rien? J'ai mis 40 points. Ouais, en même temps, il nous en reste 70, et là... Ça, c'est beau, ça. Allez. Allez, il est à nous, le jeu de service, là. C'est bien. 7ème ace. Ah, il met des vrais, hein, mais on va jouer sur son revers, là. On va essayer de jouer un peu sur le revers. Il met des coups droits impossibles, le gars. Il avait des stats de malade, lui, je me souviens même pas. Après, s'il est 50ème, il est pas arrivé là par hasard, quoi. Sans référence. Oh là là, c'est dur, ça. Ouais, c'est bien, ça. Allez, c'est bien, 3 balles de break, là. Enfin, 3 balles de débreak. Pour revenir, là, dans le premier set. Ça, c'est bien, ça. C'est le coup droit de qui, ça, là, qu'il a? Allez, c'est bien, 5-5. C'est le quart de finale. C'est un jeune, il doit être en train de monter. Lâche pas gold 3 par ça. Ouais, on a fait bouffer 2 ace, là. Ça, c'est bien, quand même. Moi, j'avoue que j'avais un bon jeu de service. Quand tu mettais 2... Dans le même jeu, tu mettais 2-3 ace ou service gagnant. Pff, t'es quand même... Voilà, ça. T'es pépouze, quoi. T'es en mode, bon, allez. Voilà, tu vois, ça, c'est un jeu de service qui fait plaisir. Oh, c'est un break. Oh, c'est un break, c'est une balle de 7. Oh, le boost d'XP. Oula. Ça sort. Ça sort, c'est un craquage. C'est un craquage, c'est 7-5 dans un set très difficile. Avec un break... Quel plaisir les services gagnants, ah mec. Ouais, derrière c'est un break. Voilà, c'est bon, il commence à pas être bien là. C'est pour nous mon pote. C'est nous le futur. Le dopage qui carry. En fait c'est pas mal parce qu'au bout d'un moment tu peux plus t'en servir des points d'XP quoi. Quoi? On a fait ça là? Comme Pff, c'est magnifique, par contre on a un vrai joueur. Comme au bout d'un moment bah, les points d'XP t'es capé, ouais c'est... Service volé ici est beau. Dommage, dommage, mais bloque l'angle en vrai. Ça sort. Oh, son coup droit là, chopé comme. Enfin. En levant la jambe là. Il est fourbe. Allez, c'est fini. 4-1. On va au lit, monsieur. Un petit point là qui nous permet de servir pour le 7 si on le met. Oui. Oui, monsieur, oui. Ah, deux balles de débreak. Je sais pas pourquoi il est stressé de ouf comme ça, là. Je comprends pas. En tout cas, ça l'a fait choke. Attention à la remontada, là. On va pas se refaire des breaks, quand même. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. Changement de rythme. Oh là là, les retours, mec. Ah, par contre, on bouge pas. Encore un break, hein. Encore une balle de break, là. Oh là là. Joli ça. Ouf. On se fait peur. Hein. Pourquoi on est en chat en mode lent là? J'aime pas le slow mode moi. Donc là on est dans une ambiance cool, au pire vous spammez un peu. Moi ça me saoule toujours le chat slow mode. Merci de Brazil. Allez, c'est bien battu, ça. Très, très bien battu. Et c'est une balle de 7. Et c'est un craquage derrière. Formalité. Merci, Domi, tu nous libères. Bah ouais, c'est trop chiant. Moi, je trouve ça trop chiant, le slow mode. Genre, j'ai jamais aimé. Parce que, tu sais, du coup, ceux qui parlent pas, mais ceux qui ont envie de parler, vous pouvez, quoi. Et s'il y a de l'abus, vraiment de l'abus, bah, y a ban. De toute façon, j'ai un nightbot qui... Et monsieur. Ouais, déjà une balle de break. Bon, on est bien quand même. Hein. J'ai raté la finale de Wimbledon. Pire truc après le sum mode. Ah, le sum mode, ça calme. Après, non, quand il y a vraiment beaucoup de gens. Mais là, ça va, on est quand même beaucoup. On est 6300, mais... Oh la vache. Ah, il nous répond présent. Hein. Oh non. Non.
Oh, pas le break là. Oh, super ça. Ah, là, c'est à nous la balle de jeu. Super, Laïs. Là, c'est à nous de breaker là. C'est à nous de breaker, on lui fait comprendre qu'il a rien à faire en quart de finale, en demi-finale. Oh là là, les lifts là comme ça, ce sont... c'est beau. Hein. Encore une balle de break. Lui, il faut l'agresser, hein, lui. Il était beau, putain, son coup de fusil là. Oh là là, ça va vite, hein, son jeu. Une scène, ce jeu de service. Là, on a bien progressé en. Ça fait une balle de jeu, c'est dommage. Un break dès le début du troisième set là, ça l'aurait achevé quoi. Je sais pas pourquoi je suis stressé là. Faut que je mette des points de confiance en moi, hein. Parce que je crois que j'en avais plus peut-être pour ça. Par contre, il court, hein. il cavale là. Regardez un peu l'effort, toujours le replacement là, et en même temps on le met en difficulté. Magnifique ce point trouvé. Allez, c'est la balle de break maintenant, c'est maintenant qu'on fait la diff. On rentre dedans. Court croisé droite. Je le connais. Ça aura suffi. Le bulldozer. On va aller voir Louis Xav après, ouais. Ce coach qui se prend pour son joueur. C'est vrai que ça m'arrive. Ergeg. Merci Greg peut-être. Merci pour le sixième mois. Let's go. Une demi-année mon frère. Boom. Down 30. Si on le break derrière, on le sert pour le match. On va jouer au tennis. Je crois que demain je joue. J'ai pas réservé de cours. Faut que je réserve. Demain je joue avec ma meuf. Pendant 20h. Oh, j'espère que c'est pas pris, putain. Oh, ça fait genre 2 mois, 3 mois que j'ai pas joué, je crois, là. Enfin, non, je vais jouer à Maurice. Aujourd'hui, ouais, là-dedans. Oh, la vache. Ça rend... Eh, le retour, il fait plaisir. Ça break, ça. Allez, 3 balles de match. C'est... Non, mais c'est incroyable de sortir le gars du court. 7-5, 6-3, 6-3. Oh putain, demi-finale hein. Non mais attendez, on va tout gagner d'un coup là ou quoi? Oh Louis Xav! Qui se fait sortir! T'es une petite merde! Voilà ce que t'es Louis Xav! Une merde mon pote! Oh Louis Xav quand même hein. Louis Xav, le souci qui lui manque, fera 1-0 dans leur face à face. On se souviendra tous au Portugal, 6-2-6-2. Je t'oublierai jamais mec. Je t'oublierai jamais gros. Malheureusement je peux pas te détruire moi-même. Apparemment, tu vas pas aussi loin que moi, donc. T'as pas le privilège de jouer contre moi, mais. Je t'oublie pas, mec. Oh, Demetrave. Demetrave qui est deuxième mondial, hein, qui était premier. Ok, c'est le test. On joue contre le deuxième mondial. Oh, en plus, il a un jeu de service, ce bâtard. Oh, lui, il est imprenable en service, hein. Dimitrov. On est parti, parce que maintenant on a step up, c'est plus dur de nous prendre les... l'amorti. C'est une amorti ça? Ah, faut qu'on travaille l'amorti encore. Hein. Oh! Ah, première balle de break déjà. 3 ans mon PA, ce que je te propose, c'est une vidéo de mon saut en parachute parce que je t'ai suivi, hein. Je t'ai suivi ton saut encore 3 ans comme ça, je signe de suite. Oh mec, trop mignon, Anto, merci. J'espère te voir bah, une prochaine event, gros, en tout cas. Ça rigole plus. Putain, c'est dommage ça. Balle de break dès le début du match, là, contre le numéro 2 mondial. Ça pardonne pas. Premier break. Ça va être dur. Heureusement, premier reste de la game. On va reculer un peu, ouais, sur leur tour, parce qu'il a des serres. Ouf. Il fait des fautes. Ah ouais, il serre, c'est la brutasse, lui, hein. J'avais oublié, mais... Putain, on s'est pas encore bien joué à la volée, c'est dommage. Voilà. Combien? 4ème ace, hein. 2 jeux de service, 4 ace. Moi, j'ai combien? On n'a pas vu. Ce qui fait chier, c'est le break de début, quoi. Mais vas-y, 3ème ace, moi. Stress de la finale des deux côtés. On est en demi, là, pour l'instant. Mais ouais, peur d'aller au bout. Il stresse aussi, lui, putain, c'est ouf.
Oh, il aime pas les chops. Ça serait... Ah, mais 45. Oh, ouais, d'accord. 214. 6ème ace. Ah, il me met 2 aces par jeu, quoi. 2 points sur 4, c'est des aces au service, lui. Ça qui est dommage, là. Le break de début de game, putain. Je rentre pas dans mon match et... Ah oui, on va booster. Ah, mais le boost, c'est vraiment nimp, hein. Ah, je mets tout, moi. Attends, on veut le port d'armes et les gros bras de JC Jean-Claude Van Damme, hein. Boum. Allez, hop là. 4ème ace. Oh, mais là, mec, il est injouable sur ses ace. 207. Je lui envoie du 207 km/h, là. Ah, faut que j'attaque, sinon... C'est pas moi qui attaque, il va le faire et je pourrais rien faire. Oh là là, craquage. Deux doubles fautes d'affilée là? Ça va le craquage? Pas mal le boost, hein. Louis Xav, il est allé en 5-7, hein, Dobby. Non, il a pris 3-7. C'est quand il avait gagné en 3-7. Mais il a pris. Il s'est fait niquer en 3-7, Louis Xav. Par lui là. 6-2. C'est pas fini, il l'a remet celle-là? Mais non, pas le contre-pied, gros! Oh! La vache. Oh la vache! 6-3 le premier set! Allez, là. Peut-être une possibilité de break là. Oui, c'est beau ça! C'est beau ça! Allez! Allez, c'est une balle de break! On en aura pas beaucoup! Pff, on a choisi le bon côté là. Putain, on se fait tarter là. Ah, oh, ça sort, tu m'étonnes, il nous tarte. Oh là là, sur la deuxième, il arrive quasiment à nous claquer un ace. Oh, et 2 balles de break. Non. Non. Oh, 3 balles de break. Oui, magnifique. Ça sort, allez. Un point. Oh, maintenant je me refais break. Là, je suis encore en 2 balles de break. Qu'est-ce qui se passe à l'autre service là? Arrête les doubles fautes, gros! C'est grave là! Oh putain! Oh, il va me rebreaker là. Non, mais il est sur tout! Oh! La chatte en plus! Tenter un peu de l'agresser. Allez, peut-être un des breaks. Qui changerait pas grand chose qu'un. Ah non, mais pas du tout un des breaks, c'est moi. C'est moi qui sers. Je suis perdu parfois avec les. Ah ouais, derrière, il met des jeux blancs, quoi. C'est impossible de lui prendre un jeu de service, hein. On s'en sort quand même bien mieux que la dernière fois qu'on l'avait rencontré. Je crois qu'il m'avait mis un 6-2 très brut. Donc vraiment, lui, ça a été la première vraie claque que j'ai prise. Mais là, déjà, on est capable d'avoir du répondant, quoi. Malheureusement, pas suffisamment, mais demi-finale du US Open, hein, après. Hein. Tu sens qu'il est meilleur, plus... Oui. Oui, joli, ça. Très joli, ça. Et derrière, jeu blanc. Voilà. 16ème ace. 6-3. 7ème de mon côté. Vise son revers. Oh oui, joli. C'est ça que je me faisais passer là-dessus. Bête. On se fasse pas breaker dès le début, hein, sur celui-là. Après, on a boosté. Hein. C'est bien ça. Il se fatigue jamais ou quoi l'autre? Oh, il a failli l'avoir. Hein. Game player one. Il a une sale forme à court terme. Hein. Pas beaucoup pouvoir le fatiguer plus quoi. Mais... Si on arrive à le faire aller dans ses ressources, ça peut être quelque chose, hein. Qui doit puiser. Il nous faudrait au moins un break, quoi. C'est bien ça. À 40-30, pas d'ace. Bien. Ah, c'est sûr, je joue 2 balles. 2 balles où je peux prendre une gifle, lui, il en profite. Hein. À 45. Il a une sale forme à court terme. Joli. Trop de lift juste dans mon jeu.
Pas trop de livres, trop de balles qui... 40-30, allez, allez, il y en a encore une là, il y en a encore une. Joli service. Ça sort. Allez, c'est bon, soleil, des balles de break. Balles de break, balles de break. On peut faire un truc là. Allez, allez, c'est maintenant. Oh non, on a traîné le passing en plus, 40A. Ah, et du coup... C'est dur. Non, deux balles de break, putain, non, 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 non. Ça sort. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va se faire punir. Ah, c'est le grand méchant loup, là. Ah ouais, mais je suis trop... Je suis pas dessus, je suis pas dessus. Faut que je débreak. C'est la seule soluce. Ah ouais, je peux pas débreak. Amorti. Oh, dommage. Sentez plus de recul sur le retour, histoire de voir. Oh, la vache. Allez, une balle de jeu. C'est bien joué, ça. Oh oui, elle est belle, celle-là. Elle est belle, elle est belle. 5-4. Faut breaker. Faut breaker ou c'est fini. C'est pas si mal, une demi. Non, mais c'est incroyable, la demi-finale. Déjà, faire demi-finale de... US... Quoi? Ok, c'est un bug. C'est fou, déjà. C'est pas fini, encore. Hein. J'aimerais vous rappeler que c'est pas fini, encore. C'est la fin, mais croyez-y jusqu'au bout. Même si c'est dur. T'es max, merci pour le deuxième mois. Je crois que c'est dur quand même. Hein. 30A, c'est pas fini. Roland Garros, on a juste passé un tour. Oh putain, balle de match. 23ème ace. Oh l'enculé, il met un ace, il met un 23. C'est un grand. C'est un grand. 194 km/h le service moyen. Ouais, une balle sur 3 de converti en break. T'aurais pas du boost. Bah si, hein. Beau match pour avoir une victoire, faut un perdant. Clairement, t'as fait 4 jeux que l'adversaire est à 50% d'énergie, c'est tout. C'était dur, mais honnêtement, on s'en sort quand même bien. Avec un bon 200 000 $ de demi-finale. Où on n'a rien à se reprocher, je pense. On a 22 points d'XP là-dessus. Merde. Je suis 11ème. Je suis 11ème mondial. Donc, honnêtement, sponsor, je peux pas changer de sponsor. Le top 10 arrive très vite. Le top 10 arrive, je peux vous le dire, les potes. Et ça, ça fait plaisir. Je suis devant Tim qui a perdu beaucoup de place. 3267 points. Ça va être chaud d'aller chercher devant. Il y a Sac aussi. Mais Louis-Xavier, il est là. Il est 21ème. Oh là là, le Louis-Xav, quoi. Il est où le pape qui a été 1700ème mondial? Putain. Demetrav de nouveau, numéro 1. Il a récupéré sa place. Il a gagné ou pas? Ah, il a gagné. Il a fait vainqueur. Il a fait finaliste à Montréal. Vainqueur à Atlanta. Quart de finale de Wimbledon. Finale de Roland-Garros. Quart de finale de Rome. Vainqueur Indian Wells. Vainqueur Houston, vainqueur Barcelone. Putain. On est top 1FR d'ailleurs. Eh ouais, on est les premiers français. Hein. Ensuite, il y a Lionel, Berghès, Henri Nus. Et il y a peut-être Gaël Monfest dans le coin. Je sais pas. Je devrais faire plus de tournois. Ouais, mais après, j'essaie aussi d'entraîner mon joueur, tu vois. Mais ouais, va falloir. On a 42 heures de toute façon là d'entraînement qu'on fera prochainement aux portes du top 10, exactement.